Ok. Bonsoir. Il est bien le fond là, non? Le fond d'ailleurs, le fond que vous voyez, ce serait un jeu qu'il faudrait qu'on vous stream un jour avec LMF, mais ce sera sans doute à un moment où je serai pas tout seul, ou alors ce sera un stream à plusieurs, tu vois, parce que ça vient du jeu Weapon Lord, qui est, je crois, oui, si, ouais, c'est ça, Weapon Lord, qui est un des jeux de baston les plus stylés de l'histoire du monde. Un vieux en plus, c'est quoi, c'est Mega Drive? Non? Je sais même plus, tiens. Mais c'est une tuerie. Et j'aimerais bien vous le montrer, Weapon Lord, c'est vrai. Mais le mode solo, je crois qu'il est pété. Donc ouais, ça sera en multi, quoi. Mais bonjour, bonsoir. Ouais, il est 20h, donc bonsoir. Hein, bonsoir, tout le monde. 20h05 en plus, j'ai pas lancé trop tard cette fois-ci. Hein? C'est ouf, ça, non? D'habitude, je fais toujours une demi-heure de bordel à passer des chansons de merde. mais là, ça va. C'est Drektan, salut l'Oltruche, Bayou, Scad, ta gueule et joue, yes. La bonne soirée, Xuxu, la Megaforge Live, tout le monde est là, quoi. Tout le monde est là. Bon, de toute façon, ouais, je vais commencer à jouer assez tôt, parce que, comme dit Skadur, on a du pain sur la bite. On a le cul bordé de fion, on a le pain sur la bite. Sur Far Cry New Dawn, je sais pas si j'en ferai toute la soirée, mais en fait, j'ai tellement envie d'y jouer et de continuer ce qu'on a commencé que j'ai rien prévu d'autre. Donc si jamais on a envie de faire un truc, bon écoute, j'ai de quoi faire derrière, hein. Limite je peux lancer la PS4 ou quoi, tu vois. Mais pour l'instant j'ai rien de prévu. Et qui dit rien de prévu dit comment dire, on a le choix, quoi, voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que j'aimerais bien commencer un truc aussi, c'est Wolfenstein New Order, mais comme j'ai plein de FPS à faire en ce moment, j'ai pas envie non plus de faire uniquement que ça. Ça fait déjà 3 Far Cry que je fais là, entre Far Cry 5, Blood Dragon et New Dawn. Adwin qui a fait Far Cry 1 dimanche dernier, bon, on fait que ça en fait, on fait que du Far Cry. On avait fait que du Resident Evil à un moment, et là on fait que du Far Cry, quoi, ça n'a aucun sens. Bref, tac, tu vas fermer ta gueule, Killer Instinct, j'adore ce thème. Je préfère de loin ce thème là au nouveau thème de Killer Instinct, quand même. Ça c'est des genres d'opinions, tout le monde s'en bat les couilles, hein. Mais je trouve que c'est quand même important de rappeler que il y a voilà ces goûts, tu vois, de temps en temps. Ça me dérange pas perso. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, j'étais sur le point de faire une transition, mais on va y revenir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça me dérange pas? Attends, comment? C'est Spider qui fait souvent ça. Spider, quand il regarde un film de merde et que je lui demande alors t'y as pensé quoi de ce film-là, il dit il m'a pas dérangé. Dans quelle genre proportion, qu'est-ce que ça veut dire ça m'a pas dérangé, que genre tu regardes un film et dis ah j'aimerais bien qu'il parte, que ben c'est bof. Ouais, mais alors tu sais pas, argument, tu dis pas ça m'a pas dérangé, et en plus non, il dit pas ça m'a dérangé genre c'est bof, il dit ça m'a pas dérangé du genre oh ouais pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire. Ça m'a pas dérangé. C'est comme les mecs qui disent « Ah bah ce film-là, t'as laissé ton cerveau à l'entrée de la salle, hein. C'est un film pour la détente, y a pas besoin de réfléchir. » Et qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Quand tu réfléchis, t'arrives pas à te détendre. Comment ça se passe? Casse les couilles. Bon, bref. Bref, on est de retour avec Hulk Hogan en black. Je l'ai appelé du coup Sheriff Black Hogan. Je sais pas si c'est raciste ou pas, mais j'aime beaucoup. J'avais aussi débloqué 2-3 trucs, dont une pelle, dont le Vector et dont une chemise. J'ai aussi débloqué, je crois, ça là. Voilà, les bottes d'officier, mais on s'en fout, on va garder les barbecue shoes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'ai pas fait beaucoup de trucs, je crois que j'ai juste débloqué une autre base. Celle-là, là. Le garage clandestin. Clandestino. Marijuana illégal. Il y a aussi un autre avant-poste à niquer là-bas, mais on va pas le faire tout de suite. Parce que là, actuellement, il faut qu'on... regarde, on a une quête là. Elles sont où nos quêtes déjà? Journal? Ouais, c'est ça. Il faut améliorer un dernier aménagement dans Prosperity et on pourra enfin avancer un petit peu dans l'histoire. Et ça, c'est cool. Salut Ellie! Maintenant, je donne mon avis, bordel, que t'enchaînes sur Far Cry, ça me convient. Ah, d'accord, c'est dans ça que tu pars, d'accord, j'avais pas compris, moi. Je crois que t'étais en train de dire, ouais, ça me dérange pas, le film, il dérange pas, là. Mais cette saloperie s'est cassée la gueule en traversant un pont. La plupart des gens sont trop trouillards pour grimper là-haut. Mais il doit sûrement rester du matos intéressant. Quoi? Merde, j'ai pas suivi. C'est pas grave, on s'en fout, c'est une chasse au trésor, on verra plus tard. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Salut Nomura. Et salut, Ellie, je t'ai dit bonjour aussi. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Alors, on avait déjà amélioré l'établi niveau 1, et de toute façon, on peut pas l'établir, l'améliorer niveau 2, bravo connard. C'est lui 44, ça va mec.
On peut aussi faire l'infirmerie ou alors le laboratoire d'explosifs, à mon avis. Camp d'entraînement améliore la santé et les dégâts des mercenaires, c'est pas mal aussi. Garage, la fabrication de véhicules, c'est pas mal aussi, j'ai envie de dire. Ah, c'est fabrication des véhicules niveau 2, d'accord. Scad, il va vouloir dire les garages. Vous pensez qu'on devrait faire quoi plutôt? Jardin curatif, cartographe, laboratoire d'explosifs, hein, non? Trop tard, t'as dit explosif, tu peux pas choisir autre chose. Ah merde! Oh le con! Ah c'est comme ça que ça marche! Salut Redson! Salut, ça va être une petite soirée ce soir, vous inquiétez pas, on est entre nous, on est en famille, vous pouvez vous foutre en calbar et tout, ça dérange pas. Putain non, j'ai bougé mon clavier, j'avais un bon setup là. C'est, j'ai un petit câble qui m'énerve. Bon, bref, laboratoire d'explosifs, allez c'est parti. Attends! Fabrication de dynamite et de munitions perforantes, oui d'accord, on a déjà la fabrication de molotov et tout. Qu'est-ce. Ouais, je sais pas, hein. Ouais, si, allez. Allez, fabrication d'explosifs. On s'en fout, de toute façon, c'est juste pour avancer la mission, alors on s'en bat les couilles, vas-y. Go. Montre-moi ce que je peux faire maintenant. C'est lui qui s'en occupe? C'est pas lui qui s'en occupe, hein. Ouais, d'accord. L'autre Severus Snipe, là, j'ai pas confiance, hein. Prosperity peut être améliorée. Encore? Bah, quoi? Prosperity est votre Oui, bah, c'est bon, j'ai compris, ça. Améliorer Prosperity au niveau 2. Buggy sur... Quoi? Nani? Ah oui d'accord, ok, il faut retourner là-bas pour améliorer... La 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 la. Ok, bref. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu fais rien? Oh t'es vieille! Ah oui Sarah c'est la fille, donc c'est la fille Rai, c'est ça? Lui c'est qui? Ah lui c'est Moustache. Et elle? Elle sait pas lire un livre, c'est pas... Fais pas semblant. Ok. C'est Pedro. Pedro, mon frère m'appelait Pedro quand j'étais petit. Les aménagements, donc ok. Et maintenant, je peux améliorer en niveau 2, c'est ça? Donc on va gagner Thomas Rush, des conditions d'expert et conditions d'am... Non, c'est pas ça. C'est pas... Attends, améliorons, on va voir ce que ça fait déjà. Allô. Oh, le mec, il s'attache pas, c'est un fifou, lui. Mais mec, mais... T'es extrême, t'es plus ou moins Didier Gustin, non? Déjà, niveau 2 sur 3? Hein? Il n'y en a pas plus. Voilà. Oh putain, on a des poules. Wow, on a des mecs qui lancent des balles sur des poules. Hey, venez par ici. On vient juste de commencer. Non, mais faites pas à manger, faites pas des barbecues, foutez des putains de tourelles. Est-ce que t'as vu qu'il y avait un garçon qui était planqué dans une pile de pneus à côté? Maman pensait que ce serait une bonne idée d'organiser un repas pour le moral de tout le monde. C'est complètement con. Des stages commando et du dressage de pitbull, c'est tout ce dont on a besoin là. Et ça risque pas de changer. Ça fait bien longtemps que j'avais pas accueilli autant de monde. La dernière fois, c'était peut-être pour annoncer que j'étais enceinte de toi. Ah, tu sais, quand t'as explosé de mon utérus. Ça fait pas. Parfait, et il reste beaucoup à faire, mais c'est agréable d'avoir à nouveau une raison de se réjouir. Je suis bien d'accord. Ouais, c'est sympa, ta moustache. Ça m'énerve. Non, filez-moi des flingues plutôt, là. On peut pas juste aller se latter contre des trucs. Servez-vous à boire, vous le méritez bien. Oh, ça m'énerve, ça. Me forcez pas à être heureux. Ça... Oh, une petite binouze, par contre, j'avoue. J'avoue, la petite binouze. On va se faire attaquer, ça. On va se faire attaquer. J'en étais sûr, enfin. C'est les gentils feux d'artifice ou c'est des méchants feux d'artifice, ça? C'est eux. C'est probablement des méchants feux d'artifice, du coup. C'est ça qu'on doit deviner. Bon, je voulais changer d'arme, parce que du coup, en fait, j'ai le Vector, mais il est sympa, mais il est... Comment dire, il est un peu... Tu vois ce que... C'est qui ces cons? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, c'est les jumelles en plus. Ce serait dommage de faire peur aux enfants. Carmina! Ah, Carmina! Désolée, ça m'énerve quand j'entends des gens mentir aux enfants. Pourquoi vous... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Avant que toi t'arrives, tout se passait parfaitement bien. Mais vous êtes qui? C'est pas vous que je défonce depuis le début? Je me souviens pas. Tu fous le bordel partout où tu passes. Je crois qu'on ferait mieux de le tuer. Non. Ouais, viens, vas-y. Ce serait bête d'en faire un martyr. Qu'est-ce que tu vas faire? Franchement, je vous prends tous les deux, hein. Un bras dans le dos sans transpirer, hein. Que ton aide. Avec tes vieux tatouages, tu t'es pris pour Zac Efron ou quoi là? Tu as tué les gratos. Oh là. Oh, il a gratté dans le fond celui-là. On te le prendra. Ok. Ce sera tout.
Bah viens, franchement, je te dis depuis le début, hein. Moi j'attends que ça, meuf. Hein. La seule valeur sûre dans ce monde, c'est le pouvoir. Elle a filé une grenade à un gosse, on est d'accord là. Et toi, tu nous fais passer pour des faibles. Mais maintenant, c'est terminé. Ok. On va te prendre toutes les choses auxquelles tu tiens. En commençant par ta maison. Elle a vraiment mal choisi son timing en plus parce que je viens de débloquer un canoncier. Hein. On veut pas te voir. Non, elle a déjà dégoupillé l'autruche. La goupille, on l'a dans la main. Elle a filé la grenade au gosse en lui disant tiens-le bien. ça se remet une goupille. Je suis pas sûr que ça se remette une goupille. Je crois pas justement. Scad, il sait ça. Scad, est-ce qu'on pourrait mettre une goupille dans une grenade dégoupillée? À mon avis, je crois pas. Hein. Sinon, c'est trop facile. Ah, quoique. Ah, si, peut-être. Si, c'est très certainement que si, en fait. Tant que la cuillère est pas partie, c'est bon. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, ouais. Plus de canaux sont disponibles sur les autoradios. Génial. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, par contre, moi, j'étais parti pour buter les trucs, mais je suis un petit peu déçu, du coup. Je m'attendais vraiment à du bourrinage, là, mais. Alors, qu'est-ce qu'on a en rab? Donc, voilà, j'ai débloqué 2-3 trucs quand même. Depuis le début, je vais vous montrer. Donc ça, voilà, ça on l'avait déjà, le gun, enfin le 911. La Dragunov, on l'avait faite en game aussi. L'arc en bois aussi. Pareil pour le lance-scie. Ça, je l'ai débloqué. La pelle avec un petit smiley dessus. Haha, c'est trop random. Ce gun là, le P226 de fortune. Je pensais que c'était un flingue plus lourd que ça, mais c'est juste un petit P226 en fait, mais super compliqué avec une toute petite cartouche juste au bout là. Ça n'a aucun sens. Ça du coup, le Vector 45, j'avais pas vu qu'il y avait un MP40. Ouais, enfin ils ont juste rajouté des tuyaux quoi. Ouais, on s'en bat les couilles quoi. En fait c'est littéralement juste des reskins de toutes les armes de Far Cry 5, il y a quasiment rien de nouveau quoi. Ça du coup, le D2 manche pêché qu'on a débloqué en finissant Far Cry 5 d'ailleurs. Ça, le 45-70T, je sais pas si, je crois qu'on l'avait pas fait en jeu celui-là. Mais ouais, c'est un fusil en fait de chasse, hein, calibre 45. Qui est très très bon, que j'aime bien utiliser. Et bah ça, on l'avait trouvé à la fin du dernier stream aussi. Et j'ai rien d'autre, je crois. Il me semble pas que j'ai autre chose. Montre-moi, non, je crois pas. Il y a des pelles qui n'ont aucun sens. Je sais pas, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça, j'ai hâte de l'avoir juste, mais. Non, celui-là, j'ai hâte de l'avoir, voilà. Celui-là, j'ai hâte de l'avoir. Après avoir joué à Blood Dragon, j'ai vraiment hâte de l'avoir. Il coûte combien acheter? 600, ouais, c'est un peu cher. Je me suis dit que j'allais l'acheter, mais ouais, balèque quand même. Ça, c'est des gros trucs aussi. Mais tu vois, c'est littéralement que des reskins, quoi. Y a pas une arme qu'on n'avait pas dans Far Cry 5. Et c'est un peu décevant, quand même. Ouais, M79, ouais, tu vois. Je sais pas, ça fait flemme, quoi. À part évidemment, le lance-disque qu'on n'avait pas, mais bon... on se fait chier, quoi. Est-ce qu'on se ferait pas une petite arme, là, entre nous? Franchement, la M69 Fortune, allez. Allez, je demande pas, je la fais. Allez, je prends les devants. Excusez-moi, hein, je prends les devants. Voilà. Ça, c'est bien. Là, on est bien. Du coup, j'ai... Eh ben, on peut pas voir. Très bien, super. On avait aussi les expéditions à faire avec notre beau Roger. Écoute. Eh oui, nous y voilà. Ah, c'est que t'es cool, toi. J'adore ce mec. J'adore ce mec. Je suis fan de ce mec. Alors, attends, on va déclencher cette quête, là. Grosse quête principale, à mon avis. Ah ok, donc Momo qui parle en braille maintenant. Salut Momo et salut Jojo. Salut toi. Carmina m'a raconté. Il est hors de question qu'on laisse les ravageurs prendre ce qu'on a construit. Ils vont revenir et... Ah les ravageurs, du coup c'est les renouettes. C'est bien, ils vont regretter ce qu'ils ont fait. On n'a pas beaucoup de temps pour se mettre en position de façon à pouvoir riposter. Enfin quoi que... Non. J'ai prévenu à la seconde où ces connards si seront. J'ai envoyé un éclaireur. Au premier signe, ils nous avertiront. Ça nous laissera assez de temps pour nous préparer. Je me sentirais mieux si vous alliez voir s'ils vont bien, capitaine. Assurez-vous qu'ils okay, sont prêts. Ok, d'accord. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Si, c'est les renouettes, les ravageuses, les ravageurs. Ah, mais tu vois, ils auraient dit les ravageuses direct, j'aurais compris. Mais les ravageurs, je crois que c'était pas eux. Je crois que c'était les connards de base. Mais du coup, c'est qui les mecs qu'on défonce juste normal? Tu vois, genre les endroits normaux, quoi. Ça, là, c'est qui? Garage clandestin, avant-poste. On dit renouettes, bah ouais. Tu dis pas Renoir, eux? Si, non, je sais pas. Je dis Renoir depuis toujours. Ah, mais en fait, c'est les Renoir que je défonce depuis le début, c'est ça? Et pourquoi ils viennent pas juste me cramer la grosse race? Donc tout le monde, c'est des ravageurs, en fait. Ah, d'accord. Ah, c'est... ouais. Bon, bah... Putain, c'est compliqué, la politique, hein. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai?
J'ai ce petit P226 là qui fait pip pip pip, qui est très rigolo. J'ai ça qui fait poup et qui est tout aussi rigolo d'ailleurs. Ça, c'est la lance-scie qui est très efficace aussi. Et la M60, oh putain, elle va être bien celle-là, je le sens. Alors j'ai lu un truc aussi, fais voir, est-ce qu'on peut fabriquer une bagnole? J'ai pas une grosse muscle car que... Ah oui, j'ai ça aussi. Ce truc affreux là, un genre de blueprint de buggy, mais qui ça pue la chiasse ce skin. Je le trouve ridicule quoi. Il me semble que j'ai rien d'autre vraiment. Toujours pas d'interceptor, hein, mais bon ça... Pff, je me la mets au cul, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qu'on prend? Je pense qu'on va prendre le sidecar, on va prendre le sidecar. Mais j'ai vu tout à l'heure qu'on pouvait... Le sidecar, ah, des pop, non, il y a... Qu'on pouvait burn. Est-ce qu'on peut burn, là? Non, on peut pas burn dans le sidecar, dommage. je sais pas comment ça marche, mais c'est marqué de rester appuyé sur la touche espace quand t'as une muscle car ou un truc comme ça. Je me suis dit, ça va peut-être marcher en moto aussi, mais apparemment non, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, tiens, vas-y, donne-moi de la cistanche. S'il y a bien une herbe que Scan pourrait fumer, c'est la cistanche. Allez, go. Encore. En fait, je les prends parce que ça permet apparemment de raise et de faire d'autres trucs. Donc au début, je me suis dit, ouais, on s'en fout, l'assistant chez le Yuka, bah les couilles. Mais en fait, non, c'est super important de gather, comme on dit, de récolter, voilà. Le mot français existe. Attends, parce que lui, il m'a énervé, lui. Attends, lui, il m'a saoulé, lui. Viens là. Tiens. Oh, putain, la vache. Ok, c'est bon, j'ai. Oh là. Il a pris cher. J'ai un mode photo ou quoi, là? Oui, j'ai toujours un mode photo. Bah oui, on l'avait fait au début du jeu, en plus. J'adore vraiment sa gueule. Je le trouve génial. C'est, en fait, j'ai l'impression que notre personnage incarne les restes de l'ancien monde. Allez, c'est parti. Ah, mais... J'en ai marre, ça m'arrive en permanence. Ça m'arrive en permanence. Tu veux pas un bot en escouade avec toi? Bah non. Oh, putain, il fait chier ce truc. Non, je reste tout seul, moi. J'ai besoin de personne. Black Hulk Hogan a besoin de personne. Oh, yeah, baby. Rockstar. Hulkamaniac. Je vais ramasser d'autres trucs encore un petit peu. Je fais une petite... Oh, des colibris. Saloperie. Ok. Je fais des petites provisions parce que je sais qu'on va en avoir besoin au bout d'un moment de façon des plantes, donc... Je sais que tu l'avais mis un coup de pied en passant à la bête. Oh, ce serait bien. Mais quand t'appuies sur F, c'est juste un klaxon, il n'y a pas de coup au corps à corps, c'est dommage. Ah, ça aussi, ils auraient pu faire des duels de moto, tu vois. Où tu peux donner des coups de batte à moto, ça se fait beaucoup. Enfin, ça se fait beaucoup. Attention, hein, je dis pas que tout le monde le fait. Je dis que dans beaucoup de jeux vidéo, ça se fait. Qui c'est qui me voit? Oh putain, alors ça va chier, les gars. Vous avez vraiment mal choisi votre jour, hein. Et voilà. Et voilà, il est là, le problème. Les gens, ils réfléchissent plus. Les gens se donnent plus la peine de réfléchir. Quand ils voient quelqu'un sur un sidecar avec une mitrailleuse lourde, ils se disent pas, tiens, est-ce qu'il faudrait pas le laisser tranquille? Non, ils foncent. C'est quoi? Lui, il avait un lance-flamme carrément sur sa moto, quoi. Aucun sens, hein. Allez, let's go. Je vais prendre... Yes, ça, c'est bien. J'aime beaucoup ce flingue. Je vais vouloir... Ah, mais il est super bien placé ici, lui. J'espère vraiment qu'ils vont pas revenir. Je suis désolé. Attends, je vais prendre sa moto, je me casse avec. Y'a un truc qui va pas? Quoi, y'a un truc qui va pas? Moi, j'ai un truc qui va pas? Fais gaffe, hein. Faut que je sois prêt. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Allez, explique-moi. Calme. Mais il pourrait débarquer n'importe quand. J'espère juste que je pourrais prévenir tout le monde. Chien, le babos. On peut pas se permettre de perdre... Ah. Allô? Merde, les voilà! Retourne voir les autres, vite! Mais pourquoi? On peut les défoncer, non? Ah, peut-être que j'allais les aider de là-bas. Ok, d'accord. Ah, mais cette fois-ci, du coup, les Renoirs sont devenus des méchants. Parce qu'au début, elles étaient un petit peu genre... on va te laisser en vie, mais c'est uniquement pour que... bon, nique ta race, hein. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu vraiment des méchants, ouais. Un groupe de ravageurs se dirige droit sur nous. Mais les gens, ils sont stressés pour rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout à l'heure, ils sont venus, tout ce qu'ils ont fait, c'est tirer des feux d'artifice, ça n'a aucun sens. Ils ne présentent aucun risque. Salut GameTelix, ça va, mec? Tiens, tourne.
J'ai de l'anti-ghosting sur mon clavier, qu'est-ce que tu fous là? Ok. Ta la ta ta. Ah mais ils sont déjà là! Salut les gants! Hé les gants! Attendez-moi! Ah putain, j'ai une M60 en plus. C'est vrai que j'avais une M60. Impeccable, ils sont où? C'est ça qui est bien quand t'as beaucoup de balles, t'as juste à te mettre debout sur un petit promontoire et le reste vient. Il arrive tout seul en fait. Hop, regarde. Bap 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 bap. Allez tous. En plus, j'ai l'impression que personne s'occupe de moi, je sais pas ce qui se passe. Je pue ou quoi? Je sens le pâté comme dit mon père. Vas-y, recharge. Prends ton temps. Et personne ne présente aucun risque là, y a aucun problème, regarde. Toi t'as le droit à la scie, toi. Comme le chien. Waouh. Ça se passe bien la chute de la société, les gilets jaunes et tout. Bah, pour l'instant, ils sont un peu calmes, les gilets jaunes, mais ça ne peut que s'améliorer. Hein. C'est quoi? Y a rien de particulier là comme arme? Non, c'est de la merde. Ok, d'ac. Salut Hélène. Oh go. C'est bon. Ok, donc on a le droit à la défense. J'espère par contre il y aura pas de genre quand t'es en pleine mission ou en train de glander, il y aura pas genre attention il faut aller défendre parce que ça va me saouler. Hein. Déjà dans GTA San Andreas ça m'avait cassé les couilles. Ah il est vraiment bien ce gun là. Quand j'arrive à tirer en tout cas sur les cibles il est vraiment sympathique. Bouge pas. Hop, ferme ta gueule. Vas-y, ferme ta bouche. Voilà. Ça se fait. Regarde, une petite dynamite. Et ça va se faire tranquillement. Merde. Ah, voilà. Alors, le seul problème de ce fusil-là, c'est qu'il a que 4 balles. Mais quand tu peux buter quelqu'un avec une, en général, voilà, ça pose pas trop de problèmes, tu vois. Merde. Ok. J'ai aucune notion de la vitesse de mes balles. C'est une catastrophe, hein. Mais c'est pas grave. Voilà, dans le nichon, j'ai exprès de viser le nichon, hein. C'est parce que je suis un sadique, c'est tout. Voilà. Y'a qui là? Y'a des choses là. Il se passe des choses là. Qui c'est? Oh putain, ils font tour. Oula, ça chie là. En plus, bah oui, mais y'a exactement cette mission en fait dans Far Cry 5 avec la prison. Maintenant que j'y pense. Ils font même du recyclage de missions en fait, les gars. Histoire d'ajouter l'insulte à la blessure, comme on dit en Amérique, et je suis pas sûr que ça se transmet bien en français. J'avoue qu'elles se déplacent pas vite les balles de sniper. Bah, je trouve, hein. Mais j'ai l'impression que beaucoup de jeux Ubisoft ont ce problème. Et allez, le nord. Et tu sais ce qu'on dit du nord, hein. En général, c'était les corons. Hein. Les nord, c'est où? Le nord, c'est là-bas? Bah, écoute, impeccable. Juste prendre des munitions et on va s'en occuper tranquille, regarde. Hop! On va sauver les petites femmes et les petites enfantes. Hop. Crève, voilà. Regarde, c'est tranquille. C'est pas une M60, c'est un régleur de problème, j'appelle. Ils vont tenter d'escalader les murs. Où? Qui ça? Allô? Jésus? Ah, attends, il y en a d'autres. Non? Ah bah si. Oh. Voilà. Oula, oh putain. Oh, y'a Frédéric Jamy qui arrive. Enfin. Attends. Oh. Ah bah, one shot, ok. Ça, c'est la déception, ouais. Je m'attendais à un gros truc. Genre blindé, tu sais, dans Far Cry 5, y'en a un en plus. Y'a un gros camion blindé à un moment qu'il faut défoncer un coup de lance-roquette. Là, c'était un peu juste de la merde. Hop, ta gueule. Pourquoi je vois gris? Ah, c'est parce que ouais, je suis pressé, je crois. Mais ça n'a aucune incidence du tout en fait. Ils ont essayé de rajouter des genres d'aspects de gameplay, mais. En français, c'est l'insulte à l'injure, ce qui est méga con. Bah oui. Oui, l'insulte à l'injure, bah oui. Ou alors, injure, ça avait un autre sens quand le truc. Quand la. Merde, quand l'expression était faite à cette époque, je sais pas. Insulte à injure, bah oui. Ou alors, non, injure, c'est quand. Bah non. Bah je sais pas, je comprends pas. Bon il manque qui là par contre, y a encore des gens là. Ah, voilà. Oulala. Attends, comment ça ils sont rentrés, quoi? Mais j'ai niqué tout le monde, comment ça?
Occupez-vous et protégez ces bâtiments. Mais y'a pas de problème, mais... Attends, toi ta gueule. Toi ta gueule. Toi ta gueule. Oh putain, j'ai l'impression d'être Légolas, mon gars. Ça ne compte quand même que pour un. Attends, attends. Merde. Hop, toi ta gueule. Faites le plein de munitions, soignez-vous et préparez-vous pour la suite. J'ai eu peur, je croyais que genre, il allait avoir un script comme quoi il rentre tout seul dans la base, alors que je fais un boulot de bonhomme depuis tout à l'heure. Ah. Ta gueule. Ta gueule, voilà. Ouais, normalement c'est bon, non? Ah. Merde. Merde, ok, je sais pas tirer. Je suis vraiment une énorme merde, attends. Ah mais non, y'en a qui rentrent. Comment ils ont fait, ces cons là? Ta gueule, tiens. Bidon, ta gueule, alors que t'es déjà mort. Bidon, ta gueule, toi aussi. Je crois que j'ai tué deux alliés, c'est pas grave. Ah si, ils ont mis une petite échelle rigolote. Aïe, aïe, aïe. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Lance-ci. Ah. Non, ta gueule. Ta gueule. Ouh la vache. Lance-ci, il fait ce qu'il veut, hein. Hop, voilà. Attends, je vais aller reste des autres poteaux là parce qu'ils peuvent rien faire tout seul. Visiblement, j'espère que Roger est pas mort. S'ils ont blessé Roger, mon gars. Est-ce que... Ah d'accord, ok. Ok, je vais me faire enculer, d'accord. Pas de problème. Pitoyable. Pitoyable. Attends, attends, attends. Non, 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 ça. Hop. J'ai eu. Je sais pas si j'ai eu, mais apparemment il a eu peur. C'est déjà ça. Vous pouvez le buter, s'il vous plaît. Vous pouvez lui faire au moins un peu mal. Bon, bah, je m'en occupe. Ah, oui. Il y a ça que j'ai pris aussi. J'ai pris la possibilité de... Oh non, des petits chiens. C'est exactement les mêmes chiens que dans Far Cry Blood Dragon. Je sais pas si vous avez vu. Vous avez... Maintenant qu'on y a joué hier, j'arrive à reconnaître. C'est exactement les mêmes chiens que Far Cry Blood Dragon, sauf qu'ils ont pas foutu la texture un peu métallisée dessus. Et tout ce qu'ils ont fait. C'est quand même des gros branleurs, hein. Ok, bon alors, je suis plutôt pas mal, non? Y'a un petit hinge là-bas. Voilà. Oui, pas les pipous, mais je suis désolé, là, les petits pipous... Oh, ils sont adorables en plus, c'est les petits pits. Et voilà, bravo, bravo l'image du pit. Bravo Ubisoft. Ah c'est bien l'idée de connard de Guillemot ça. Les pitbulls ils sont tous méchants, hein. Ha. Maman. Maman. Non c'est pas possible. C'est pas possible, personne n'est mort. Regarde-moi. Maman, regarde-moi. Tu vas bien? Bah l'autre il lui manque les jambes quand même. Bon, ça se saurait si Ubisoft réutilisait les assets, c'est vrai. C'est vrai, Silendil. Heureusement que je suis assis parce que la révélation m'aurait coupé les jambes. La cause ennui. On a perdu beaucoup de gens. Les blessés vont pas bien. Si elles reviennent, on est foutus. Mec, il s'est rien passé. J'ai buté 98% de la population. Sinon, Nouvelle Eden. Pardon, vous vous foutez de moi? Je les ai vus en action. Ils ont attaqué le camp où j'étais prisonnier un soir. Rien qu'à deux. Ils ont pris assez de balles pour mourir sur place et ils ont disparu dans la forêt. Les ravageurs disent que c'est des fantômes, mais je sais ce que j'ai vu. Quoi? Tous ces gens étaient sous l'influence d'une drogue, il nous faut ce qu'ils ont. Vous vous rendez compte que vous parlez d'aller voir Joseph Seed? Un homme qui a Servi notre famille pendant des années. Chut. C'était avant ça. Il nous a... On va revoir Joseph. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est derrière nous. Ne mêle pas de ça. On a besoin... Ouais, enfin, il a quand même foutu la merde, je sais pas... Se lier au Nouvel Éden. J'irais pas dire que je suis du genre rancunier, mais il a quand même cassé les couilles, hein. Parce qu'ils ont et quel est leur secret, mais il nous le faut. Tipiak, ils ont volé la recette, c'est ça le problème. Excusez-moi. On va voir Jojo du coup. Joseph, il va ressembler à Staline. Oh mec, j'espère qu'il aura une énorme barbe et qu'il fait 120 kilos de muscles. Tu sais qu'il s'est entraîné à taper des rondins sous une cascade. Ouais, ouais, en fait, ouais, j'ai envie que ce soit Guts. Entracte? Oh non, non, je veux pas jouer un gamin, moi! Est-ce que tu vas bien? Eh oh! Est-ce qu'ils t'ont fait mal? Eh oh! Tu veux juste donner à manger? Si jamais il revient par ici, tu viens tout de suite nous chercher, tu m'as bien compris? Oh, Nick! Mais j'ai faim, et t'as dit qu'on devait trouver à manger comme on pouvait! Oui, mais on n'accepte rien de lui, même pas à manger! Pourquoi? C'est parce que...
On connaissait cet homme avant ta naissance. Il a fait des choses très mal. Il a fait du mal à ton papa. Il a voulu sauver notre famille. Vite fait. Si jamais tu le revois, tu t'enfuis aussi vite que possible. Tu l'as déjà vu faire du mal à quelqu'un, toi ? Moi, personnellement, j'ai jamais vu Joseph faire du mal à qui que ce soit. Dans le jeu, si. Il a tué... John a tué les trucs. Jacob a tué les trucs. Faith est fou la merde. Mais Joseph, est-ce qu'on l'a vu tuer un truc à un moment ? Non. Il est juste en train de parler. Il dit juste des trucs avec un livre. Voilà. Jojo, c'est un bon gars. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un bon gars, mais c'est pas un tueur comme on le prétend. Il a crevé les yeux d'un mec. Xuxu. Tu vas me faire croire que t'as jamais crevé les yeux d'un mec, Xuxu ? S'il te plaît, s'il te plaît. Je sais qu'il est pas parfait, mais s'il te plaît. Alors, ce que je voulais faire aussi, c'est changer mon arme de poing, parce que mon P226, là, j'y crois qu'à moitié. je crois que j'ai normalement ici... Non ? Il est où mon... Donde esta mi shotguno ? Ah, là. Yes. Ça, ici, je vais le foutre à la place. Voilà ! Là, on est bon. Et ça me casse les couilles parce que on ne peut pas du tout changer les attachments sur un flingue. Et c'est vrai que c'est, en fait, c'est vachement gênant. Je pensais que ça allait pas me déranger, mais c'est casse-couille de pas pouvoir ajouter une lunette, un truc comme ça. T'es vraiment à la merci, en fait, de ce que le jeu veut. Et bah, c'est relou, quoi. C'est purement du racisme. C'était pas Joseph qui avait fait la trace du péché dans le corps d'un mec avec un couteau avant de l'arracher. Non, c'est John, ça, non ? Oui, c'était un des frères. Ouais, ça, c'est un des frères, ouais. Vendre le butin, qu'est-ce que j'ai ? Oui, j'ai tué que 2-3 trucs quand on vous regardait pas. Putain, mais... Échanger tout, voilà, contrôle. Avant, c'était tab, mais maintenant, c'est contrôle. Je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est cool. On a 4 points de talent. Mon point de talent est décousu. Si ça continue, on verra le trou de mon point de talent. Plus de munitions lourdes. Mitrailleuse, lance-roquette, lance-grenade, lance-flamme, lance-scie. Ouais. Impeccable. Et du coup, on va reprendre tout de suite des munitions. Je pense qu'on peut... Ouais, voilà. Yes. Et ben voilà, tranquillou. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire désormais maintenant ? Journal. Rejoignez le domaine du Nouvel Éden. Ok. Il y a toujours Roger qui a besoin d'aide, hein. Ça, c'est les vieilles photos. Ça, c'est récupérer des lecteurs MP3. Et ça, c'est les avant-postes. Et bah, tu sais quoi ? On va se faire un petit avant-poste. Ça, c'est niveau 2. Ça, c'est niveau 2. Mais il y a encore un niveau 1 juste là. Voilà. Elle est grande comment, la map, d'ailleurs ? Ouh. Ah, d'accord. Nouvelle Eden, c'est là. D'accord. Nick Rye. Sharky Bosha. Et il y avait pas un mec super stylé, là, dans le coin qui est un connard, d'ailleurs, sur YouTube, m'a spoilé. Lui là, attends, regarde. Lui là, le juge. Le mec il dit, ah bah lui en fait c'est nanani nanana. Bah Nick Taras. Je me suis sur YouTube. En plus le connard il a commencé sa phrase par, ah petit spoil, le juge c'est nanana. Bah ouais, bah connard quoi. Ça c'est qui ? Gina Guerra, on connaît pas. Nana, la petite vieille par contre, je pense qu'on va la prendre vite parce que j'adore le principe. Ça c'est des personnages cool. Une petite vieille quoi, y a pas assez de petits vieux, j'ai l'impression. Ouais, nanani nanana, madness. Et ça qui m'a saoulé. Le mec, il se rend pas compte. La boîte explosif. Est-ce que je peux créer des choses là tout de suite ? Je t'aime. Bah écoute, ça c'est bon. C'est quoi ça ? Pourquoi ça brille ? Ah, d'accord. Et bah écoute, on va aller faire le camp et on va y aller en bagnole ou en moto. Ou les deux. Et je peux construire. Je peux construire quoi du coup là ? Non, je peux rien construire. Oui, non, je peux rien construire pour l'instant. Enfin, rien de plus quoi. Écoute, on va y aller en bagnole. Ce sera un peu plus rapide. Tu vas prendre la petite vieille. Ouais, l'autruche, devant tout le monde. Devant 40 personnes, je vais prendre la petite vieille, mais à un niveau. Ok, donc on a tout là. On a fusil de chasse, 45 silencieux, lance-scie et M60. J'ai envie de dire, on est tranquille là. Normalement, on devrait avoir aucun problème. On va prendre ça. C'est vrai que c'est ce qui est le plus près de la de la putain de d'Interceptor. Et on y go. Allez, en route, mauvaise troupe. Est-ce que je peux avoir par contre un petit truc sur la carte, un petit trajet, parce que j'ai pas confiance en mes capacités de navigation. D'ailleurs, personne devrait avoir des confiance en mes capacités de navigation. Voilà, ça c'est mieux. Et on va aller sauver la petite vieille juste après, d'accord ? Ça vous dit ? Petit spoil, nanani nanana. Et ouais, on était sur le cul.
J'arrive où il vient de dire Astic mes couilles, Roger. Mais non, il a dit Astic t'es cool. c'est du québécois. Quoi? C'est qui? C'est bien. Est-ce que tu peux laisser ma radio tranquille maintenant, espèce de gros bâtard? Oh l'autre! Elle m'envoie de ses spams de merde! Salut! Pourquoi sa gueule? J'ai rien fait encore! La grosse patate de Roger. Oui, l'hélicoptère de Roger s'appelle grosse patate, mec. On va faire une petite expédition après. Tu sais quoi, on va faire? On va libérer ce camp là, on va aider Nana, et ensuite on va faire une expédition de Roger. Ça vous dit? Attends, il y a des trucs qui m'ont vu ici? Attends, c'est quoi d'ailleurs ici? Je suis déjà passé ici moi? Oui, si, je suis déjà passé. Ya. Soumis ma scène, j'étais parti préparer un peu de bouffe. Ah, mais écoute, prends ton temps, mon petit spider. Je t'en prie. J'espère que tu t'es préparé de la bonne goulayette. Tiens, il y a des trucs à libérer là. Hop, on va faire notre petit Road Warrior. Merde. Non, mais il fait n'importe quoi. Putain, mais c'est une gonzesse, évidemment. Voilà. Quoi, tu gueules? Vas-y, rapproche-toi. J'aime bien parce qu'ils sont cons. Ah, mais celui-là, faut le ramener, je crois. Bon, bah écoute, on va le ramener, c'est pas grave. On va la ramener. Ça va mettre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Parce que c'est des ressources, et les ressources sont quand même super super importantes. Et merde. Putain, je vois pas en plus. Pardon, on trace. Mais ouais, en revenant sur nanana, sans trop spoiler, t'en as pensé quoi, même en te prenant l'info dans la gueule? Mais j'ai trouvé que c'était super cool. Mais je sais pas si c'est vraiment une grosse révélation dans le jeu. Mais c'était cool, c'était sympa, c'était vraiment sympa comme throwback. Mais vous verrez de toute façon, je vais pas en dire plus. Mais vous verrez qui c'est le judge. Après, je pense que c'est un peu cramé aussi. Je suis en train de me faire tirer dessus, c'est ça? Bon. Je vais m'en occuper plus clairement parce que j'ai encore une cartouche. Ah, j'en avais deux en plus. Ah, c'est pas de bol. Donc, tiens, je me suis foiré, c'est pas grave. Ça va? Ok, impeccable. Mes crayons! Ouais, le mec avec son bouclier là. Mes crayons! Le judge, j'ai vu qui c'était et à Skip, il y en a qui ont pas qui c'était. Qui ont pas qui c'était. Spider, tu parles de façon cryptique. Le mec, il a lu Da Vinci Code et maintenant il parle. Qui ont pas compris. Ah, ils ont pas compris. Parce que c'est pas expliqué clairement. Je peux sortir le véhicule. Yes. Et hop. Si, c'est bon. Voilà. 75 éthanol, ça donne quand même, hein, c'est pas mal. Est-ce que je peux prendre un hélicoptère, tiens, plutôt, voilà. On va aller voir là-bas si je peux directement prendre un hélicoptère. Je pense qu'on va essayer d'en craft un le plus rapidement possible. Parce que ce serait fort utile. Hélicoptère, non, évidemment. Ah ouais, d'accord, garage niveau 1, ouais, ok, d'accord, super. Ouais, bravo, super mature. Ah, je peux peut-être, attends. Ça, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, ça. Garage. Coupe terrasse. Il est où? Ah, voilà. Eh ben écoute, on va faire ça parce que je pense qu'on va avoir besoin d'un hélicoptère assez tôt. Corsa. Hélicoptère. Voilà. Et évidemment, je peux pas le fabriquer. Trop marrant. Putain, fais chier. Bon, bah écoute. Ah, j'ai des munitions perforantes de mitrailleuse. Comment? Comment on change de munitions perforante? Oula, Je sais pas comment ça se passe. U? Non, attends. Je vais aller voir ça parce que je pense que ça va être relativement important à faire plus tard. Au sol. Pip, 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 pip. Changer de type de munition, W. Mais la M60, elle en a pas. Ah bah si, merde. Oh! C'est quoi? Waouh! J'ai des CD Spider-Man. Donc ça, c'est des CD qui rebondissent. Et ça, c'est des CD Spider-Man. Ok, cool. Ça, c'est quoi? J'ai quoi? J'ai des trucs de... en plus? Non, j'ai rien.
Et là j'ai rien, d'accord. Bah j'ai que la scie qui a des munitions alternatives. Je sais pas trop ce que c'est ça, apparemment c'est des munitions qui collent. Enfin des munitions magnétiques. Je sais pas dans quel but. Donc du coup on va reprendre un truc, on va reprendre une bagnole. On va reprendre, la moto est plus rapide quand même. La moto est plus rapide. D'ailleurs mec, je comprends rien à mon PC, il fait pas du tout tourner Far Cry 5, je me tapais des gros stutters à 10 FPS, la New Dawn tourne à 30 FPS constant en low 720p, c'est pas ouf, mais au moins le framerate bouge pas et c'est large jouable. Il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en compte pour ça, hein. L'état du disque dur, ton CPU, ta carte graphique, peut-être que le jeu optimisé différemment. Après c'est assez étrange étant donné que Ubisoft justement aime bien garder les mêmes trucs d'un jeu à un autre. Mais oui, ça peut venir de pas mal de trucs différents. Je pourrais pas te dire. Très joli ce petit coucher de soleil là, levé, coucher, je sais pas. On va refoutre un marqueur dessus en espérant qu'on croise pas de bordel d'ici là. Les Sun Spider, elles bounce pas, fais gaffe, elles se plantent et c'est tout. D'accord. Mais les munitions sont pas partagées du coup. J'ai des Spider Saw et en rab aussi 15 Bounce Saw, c'est ça? Elles doivent faire plus de dégâts, ouais, certainement, ouais. Bon, c'est cool, c'est bien. Je préfère ça, moi. Je préfère une bonne scie dans la gueule, comme dans le superbe film dont je parlais hier, que personne a trouvé et que, dont tout le monde, que tout le monde a oublié et que ça m'attriste. Comme vous vous souvenez dans Wild Wild West, quand Jim West, Desperado, Rough Rider, comme il dit dans la chanson, se fait capturer avec son pote Artie, et ils ont et le méchant, au lieu de les buter d'une balle dans la tête ou de les décapiter, je sais pas, à coup de scie, tu vois, à la Isis, non, il leur met des gros colliers magnétiques et il leur balance des grosses scies dans la gueule en espérant que ça les bute. Oh! Je me suis pété la gueule. Ah. 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 Impeccable. Eh. Tout est bien qui finit bien, non? Et en plus, j'ai pu lui piller sa mère. C'est quoi ça là-bas? Oui, il y a des trucs là-bas. Ah, j'ai... Oula, attends. Pop. C'est gomme dans tous les sens, là. C'est un pote, ça c'est un pote. Attends, je vais jamais réussir à aller jusqu'au mon truc, moi. File-moi ça. Salut! Bon courage! Voilà. Je crois même que c'est des colliers avec du fil de cuivre enroulé autour. Ouais, c'est ça! Et il a une grosse catapulte qui balance une scie et il court comme ça pour éviter la scie qui est magnétiquement attirée inexorablement vers leur collier, quoi. C'est bien de la merde! J'adore ce film! Je sais, en fait il faudrait que je le remate encore une fois Wild Wild West parce que je sais pas si je le kiffe autant que je le kiffais à l'époque. Mais je le trouvais bien marrant, genre à la fin t'as une putain d'araignée gigantesque mécanique qui ressemble à Excelsus, Metal Gear Excelsus, c'est ça non? Excelsus, non? À la fin de Metal Gear Rising, je me souviens même plus. Je crois que c'est ça, Metal Gear Excelsus. Et ça y ressemble complètement et c'est stylé. Mais les gens ils aiment pas ce qui dérange. Ils aiment pas le cinéma indépendant avec un message fort derrière, tu vois. Excelsus, ouais, c'est ça, ouais. Ça m'a fait rire dans la version Tipia qui a aucun bordel avec les Far Cry Points à acheter. Tous tes trucs Uplay sont déverrouillés. Le reste, c'est à loot dans l'émission. Et au passage, j'ai fait le camp que t'avais fait la dernière fois. J'ai pas eu les gants chevaliers. D'accord. Parce que moi, du coup, j'ai fait un autre camp en rab et j'ai directement débloqué aussi des bottes. Alors, je sais pas si... Putain, mon gars. Oh la vache. Cassez-vous, bordel de merde. Et Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bouge pas, je recharge, je te défonce ta mère. Voilà. Attends, ils sont où, là? Oh, fuck. Shaitan, c'est Shaitan, ça se prononce. Tiens, mange. Ah. Il y a eu quelques cris de panique, personne est mort. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Merde, loupé. Aïe, aïe. Dans mon cul, mais... Hey. Alors, attends. Il y a quelques trucs qu'il faut analyser, là. Déjà, la balle dans la gueule, elle l'a pas bouffée. Bon, je me suis dit, allez, elle prend pas ses dégâts, il y a pas de problème, ça m'arrive.
mais la scie dans la gueule. Là, là va falloir m'expliquer là. Il a tiré aux pompes dans le bouclier de l'autre, ça a fait voler. Ouais, j'ai l'impression. Mais... Bon, il faut que j'y retourne encore. Oh, je suis où? Bah c'est qui, c'est con? Ouais, mais non, mais je suis pas chez Adieu, je suis pas du tout chez les copains là. Oh là là. Mais attends, mais elle les prend pas ces dégâts ou quoi? C'est... Ah bah voilà. Mais je suis où là? Où est-ce qu'ils m'ont foutu ces cons? Les bleus, leurs masques de paintball sont blindés. Ah putain, oui, c'est vrai! Ah bon, bah voilà. Ok, je vois, ouais, c'est beaucoup plus facile en fait. Ok. Bah oui, mais c'est évident. C'est évident. Les masques de paintball blindés, j'avais oublié, ouais. Quoi? Quoi? Ah oui, attends, il y a encore un mécanisme à choper ici. Voilà. Il doit y avoir des trucs dans le coin, non? Ah, j'aime bien ces barbecue shoes. Ouais! Bon bah écoute, on va y aller, hein. Qui c'est qui tire? C'est vraiment la merde ce pays, hein. C'est les insurgés de The Division. Ça me dérange plus, les mobs sac à PV de The Division, moi. Ça me pose plus aucun problème. À partir du moment où je me suis mis en tête, en fait, que The Division était un MMORPG, plus qu'un shooter, et en fait, ça m'a... J'ai complètement... Je suis passé complètement au-dessus du fait qu'il y avait certains mobs qui étaient des gros sacs à PV. Ça me pose plus aucun problème. Parfois les véhicules, les ennemis sont piégés. Ah! Oh putain, c'est speed! Faut que je reste au-dessus de la limite de vitesse! C'est quoi? C'est un truc à libérer? Ah non, c'est un truc à... C'est des ressources, ça! Hop! Ferme ta gueule! Ça va? Ouais, ça va bien, elle va bien. C'est bon, elle va bien! C'est quoi, c'est un autre camp ça, non? Je suis pas confiant. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Où je suis là? Ok. Non, c'est un trigger à la GTA quand t'accélères. Ah d'accord. Oh là là. Oh putain de sa mère la chagate. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là. Mais c'est un pays sans foi ni loi. Attends. Lui, je veux absolument ce qu'il a là. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous arrêter s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous faire enculer? Ah, attends. Ah ah! Ah ah! Oh! J'ai, c'est bon, c'est bon. Te retourne pas. On se calme, on se détend. Voilà. Yes! Je sais pas si j'ai assez de titane maintenant pour faire un hélicoptère, mais au moins ça m'en fait un petit peu plus. Ah bah c'est là en plus. Parfait, regarde. On arrive là, on va pouvoir tout niquer. Attends. Hop, voilà. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelques snipers. Polka. C'est moi où ils écoutent la musique de, justement, de Mad Max Fury Road. Écoute, on verra ça quand on s'approchera, regarde. Ah mais attends, c'est un niveau 2 ou pas ça? Ah, ça lance flamme. Va falloir que j'y aille de façon plus viscérale, je pense, ici. Ça tombe bien, parce que j'ai pris des armes silencieuses. J'ai mon canoncier, du coup, on est tranquille. Attends. Hop. Non, t'as rien entendu. Nique ta mère. Va falloir que t'entendes que t'ailles. Va niquer ta mère. Viens voir. Vas-y, ose venir me voir. Oh. Non. Qui c'est qui me voit, putain? C'est toi qui me vois? Eh, mais il a un masque de paintball, lui. Quoi? Y'a rien de plus drôle qu'un chien mort, tu... Allez, non. Allez, c'est parti. Ça explose, ça? Je sais pas, on verra bien. Hop, vous vos gueules. Ah merde, ça surchauffe. Toi ta gueule. Repousser les casse-couilles. Ah écoute, c'est la première fois qu'on m'appelle comme ça, mais je prends. Impeccable. Ils sont où les autres? C'est où les renforts? Moi je suis chaud, hein. Ah. Putain, merde! Je tire extrêmement mal.
Ubisoft, ils sont partis full mime. Ouais. Ta gueule. Hop, ta gueule. Merde. Oh, ok. Donc, une cartouche de 45, mais midlife, les niveaux 2. Je prends. Qui c'est qui crie? Bah alors? Y'a personne? C'est pas grave. Bon bah, tu vas la fermer ta gueule! Voilà! 150 000! Je pense que c'était un véhicule piégé du coup, parce qu'elle a pris 150 000 d'un coup dans la gueule. Ah bonsoir? Ça va? Bonsoir? Ah vous venez à plein en plus? Ah bah voilà! Attends, parce que du coup ça a parlé. Les ennemis écoutent aussi l'OST de Tokyo Drift dans leur bagnole et c'est pas une vanne. Oh la vache! Ah ouais, à ce point là quoi. Les gars ils ont payé la thune pour avoir les licences des chansons juste pour mimer quoi. Elle s'est pris Exodia dans la main. La prochaine fois que tu prends un camp en bourrin détruit en prio l'alarme, tu gagneras plus de ressources en plus de pas te faire chier avec les renforts. Ah oui, c'est vrai que si tu... Ouais, exact. Exact. Si tu désactives les trucs, tu gagnes des points en bonus. Hop. Voilà. J'ai plus de coca. Quelqu'un veut venir chez moi pour me ramener du coca sans que je quitte le stream? C'est ça en fait qu'il me faudrait. Il me faudrait un secrétaire un peu baraque, tu vois, un peu beau gosse. Pour m'amener des trucs quand je stream, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bon, je pourrais retourner les niquer maintenant tout de suite, mais pas quand il y a Nana qui attend. On va aller ken, Nana. J'arrive. Oh, lol, truc, t'es adorable. Je prends. Ils ont repris la raffinerie. C'est là qu'ils fabriquent l'éthanol, alors vous devriez pouvoir y faire le plein. Ferme ta gueule. Me donne aucun conseil. Oh, un bison. Oula. Je tente ou pas? Ouais, mais attends, j'ai rien pour le cheeser ici, là. Je tente? Allez, je tente. C'est une mauvaise idée ou pas? Non, je sais pas. Non, il se casse. Y'a pas de problème? Tu viens? Oh non, mais il se casse! Bah, c'est pas marrant du tout! Attends, je vais parler à lui. Ce qui est con, c'est que je reconnais quasiment aucun coin. C'est un peu décevant, en fait. Et peut-être que c'est moi qui connais pas assez la map aussi, mais je reconnais pas trop de coins qu'il y avait dans Far Cry 5. J'ai hâte qu'on commence à voir justement... Ah, après? Attends, on est où? Ouais, après on est là. C'est vrai que je connais un peu moins. Justement, ce camp là... non. Ce camp là? Non, merde, c'est lequel? Fang Center? Si, c'est celui-là. Ce camp... Bah non. Il y a un camp, en fait, c'est littéralement le bled, là, tu sais, avec la petite église. Qu'on avait traversé comme des bâtards avec le thème de c'est pas sorcier. Ah bah je sais plus où c'est. Bah non, je suis paumé. Merde. Bah si, c'est ça, non? Non, je sais plus. On s'en fout. Allez, on s'en bat les couilles. Bonsoir. Mauvaise idée, je pense. Niveau 3, c'est balèze. Ouais, mais j'ai un fusil de chasse quand même. On dirait le flingue de No Country for Old Men. Ah grave, le fusil de chasse silencieux là. Et le mec préposé au coca, faut qu'il porte un moule bite comme Lee à la piscine dans Tekken. faut qu'il soit habillé en Chip and Dale. Avec les gants blancs, le nœud pape, torse poil. Et le moule tubby. Y'a quoi ici? Bison monstrueux élite? Quoi? Où ça? Y'a pas de bison monstrueux élite? Élite piaf. Ah, c'est ça! Oh la vache, c'est ça là-bas! Oh merde! Une biquette! La biquette, c'est bon. Oh, cache-toi. Je vais pas déclencher eux. Je vais pas déclencher eux, histoire de pouvoir essayer de m'occuper du bison élite avant tout. Comme Heihachi à la fin de Tekken 5 de Lee. Quand il est... avec sa ficelle, là, de sumo, non? Un barman sapé comme Rodin dans Bayonetta. Je prends aussi. Molotov? Spider m'a dit Molotov pompe. Eh ben écoute, on va faire ça, Molotov pompe. C'est fiu Molotov, mange dans ta race. Ça ne fait rien. Ah, il m'a fait tomber. Waouh. Ah, il est dégueu. Allez, des copains. Les copains, ils sont où les copains? Il n'y a plus de copains. Olé. Ah, tu fais quoi maintenant, sale enculé? Bah oui, t'es bien niqué là. Hein?
Ça le te pue, ça le te pue. Il est où? Oh putain, mais... Non, c'est moi le méchant, c'est moi le... Viens, non, là, ici. Pip, pip, pip. Cours, toi, parce que c'est la merde. Non, mais viens. Non, ici. Ici. Il est con, ce truc. Putain, j'ai vraiment jamais eu d'autorité avec les animaux, moi. Allez, il est où? Ah, il est là. Ok, j'ai des copains qui aident. Bah, c'est pas mal, ça, regarde. Oh, j'ai foutu la merde. C'est bon, je suis digne. C'est juste qu'il défonce, il pense que c'est mon trash mob, en fait, ce qu'il y a autour. Oh la vache, le bordel qu'il met. Je l'aide un peu, hein. Je pense que je vais me faire un pote. Ok. Allez, je peux m'occuper de toi maintenant? T'as perdu beaucoup de vie? A mon avis, il a perdu beaucoup. Et il a rien perdu. Il a rien perdu. Oh putain, il s'est fait un pote! Oh le con! Alors ça par contre, c'est très très mauvais. Alors ça par contre, c'est très très mauvais! Ouh. Oh putain de sa mère! Attends, décollez pas! Oh putain! Attends! On peut peut-être en discuter. Oh, ça lui fait beaucoup de dégâts ça! Putain, j'ai sauté, mais ça a rien changé. Attends, medikit, j'ai pas de medikit. Karim! Dégonne pas Karim! C'est moi les cons! Presque! J'ai un sniper qui essaie de me viser depuis tout à l'heure, j'ai l'impression! Presque! Ah, il me fait chier avec ce coup là, c'est cheaté! Il est presque mort! Easy as peasy. Eh ouais. Cours, Ijir. C'était tellement facile, mec. C'est tellement facile que l'autre bison, il s'est barré. Oh, une piquette. C'est tellement cruel. Ok, est-ce que je peux aller acheter des munitions à l'autre, là? Ça va te donner 2 scotch. Super. Non, je suis sûr que ça va donner plein de trucs. On va voir avec lui, de toute façon. Je crois qu'on peut lui vendre, nos bordels. Vendre le butin. Ça donne 10 circuits imprimés. Nani? À mon avis, ça doit être un truc très très rare. On va racheter des munitions parce que du coup, on a dépensé plein à cause de ce con. Et on va voir niveau talent, qu'est-ce qu'on peut choper désormais. Boxeur professionnel. C'est peut-être pas mal. Rechargez votre fusil sniper au semi-automatique en visant. Ah oui, c'est pas mal aussi. Si tu le tues à l'arc, ça double le loot. Ouh, ah oui, chose que je ne ferai jamais. Oui, parce que là déjà au canoncier, ça m'a pris 8 ans. Alors à l'arc, j'y crois pas. Vraiment, j'y crois pas. Hein. Mécano. On s'en fout. Non, j'ai l'impression qu'on va faire ça plutôt. Hein. On va prendre plus de medikit et ensuite plus d'armes de lancer. Hop. Et hop, voilà, on est plein. Et du coup, on va lui racheter des choses. On peut pas, ok. Matériel de combat. Ouais, tiens, on va fabriquer des medikits, regarde. Voilà, impeccable. Des coups de AU, de lancer, on prend aussi. Grenade fumigène, on s'en fout. Molotov, on en prend 2. Dynamite, on en prend 2. Voilà. Bah, tu vois, on est tranquille. Mais faut le faire, flèche, couteau, only. Ah oui, only en plus. Ah non, c'est casté. Oh là là là. Là, on va l'éviter de loin parce que là j'ai pas la foi là. Je crois pas à tout ce qui est chasse. Je me nourris exclusivement de... Je suis végétarien. Mais végétarien du tout. Je me nourris de rien du tout qui a été récolté avec la souffrance de la planète. Ok, vas-y, casse-toi. C'est bon, je lui ai fait peur. Je lui ai fait peur, on est bien. Donc je peux même pas en fait l'affaiblir et le finir au couteau, c'est ça que t'es en train de m'expliquer. C'est ça. Oh, des petites choses. Merde. J'ai. Ok. J'ai envie d'aller en DPC1 pour voir ce que c'est. Végéta, vraiment rien. Ok. Ah, c'était une antilope, d'accord. Je pensais que c'était un truc de ouf, mais non, c'était juste une petite antilope de merde. Ça va, c'est pas trop brouillon pour vous au niveau du bitrate, au niveau de la qualité d'image? Ah. Ouais. Ouais. Nani? C'est quoi ces bruits exsangues? En plus j'ai soif et j'ai plus de coca comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et personne n'est venu me chercher un truc. Hein.
Ça franchement c'est dégueulasse quand on y pense. Alors que moi je suis là, sympa comme tout et tout. Far Cry 5, un animal s'il prend des balles et que tu te finis à la flèche, ça marche. Ah, et bah écoute, ça c'est peut-être... Est-ce que j'ai débloqué la wingsuit? Oui, j'ai débloqué la... Ok, beaucoup de chance. J'ai débloqué la wingsuit, normalement je vais pouvoir wingsuit d'ici là. Wingsuit! Aïe, bah, ça a pas marché. Attends. Wingsuit! Ah! Là. Wingsuit! Yes! Enfin! Wingsuit! Et voilà. Comme d'habitude, ça s'est super bien passé. Allez, on va débloquer la vieille. Je pense que ça va être cool. C'est quiet, mais en plus sexy. Bonsoir, madame. Est-ce qu'on pourrait parler deux minutes? Hop. On se calme, par contre. Ça fait un moment que je cherche du sang frais pour battre mon record. Waouh. Ah ouais. Oh, mamie gâteau. Oh la vache, comment elle est vénère de ouf. Vas-y. Je sais ce que tu dois dire. Elle a le corps d'une femme de 30 ans, mais le visage comme un scrotum oublié en plein soleil. Ah, les couilles. Oh, mais non. Elle raconte des saloperies. Tu te trouves face à la meilleure tireuse de ce qui reste de cette planète de merde. Oh non, c'est dommage. C'est un peu dommage. Si jamais tu cherches une partenaire pour flanquer une raclée à ces bons à rien de ravageur, je suis ton homme. Mais je vais pas t'aider pour rien. Hein. J'ai installé un stand de tir ici pour pas perdre la main. Montre-moi ce que tu vaux. Ok. Impressionne-moi. C'est dommage, en fait, je m'attendais un peu à ce que ce soit une mamie vraiment gentille, quoi, tu vois. Vraiment gentille, mais ultra vénère avec sa SVD Dragunov, quoi. Mais non, ouais, c'est juste une meuf vénère, quoi. Je dois faire quoi? Je dois faire un truc. Rejoignez la position de tir, d'accord. Sur un casque? Attends, parce que je les vois pas. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va être un peu compliqué, je les vois difficilement en fait. Vu que je joue en fenêtré en plus, et que je peux pas ralentir ma respiration avec cette arme. Bah écoute, attends, on va prendre ça. Est-ce que je peux... Ah, il faut que je recharge quand même. Bon, j'ai munitions infinies, mais il faut que je recharge, c'est pas grave. On va faire ça avec la SVD Dragunov. Bip! 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 On charge. Ah, j'en ai loupé un, merde! Oh! Et c'est l'arme qui tire pas droit! Voilà! J'aime bien qu'un SVD Dragunov ça drop à cette distance, fous-toi pas de ma gueule! Bip! Et bip! Mais dis-moi, reste un. Il est où? Putain, je le vois pas, il est où? Ah là, putain, oui, exact! Merci beaucoup, Gametalik! Gametalik, tu m'as sauvé la vie. Littéralement, tu m'as sauvé la vie, mec. Ah. Bah, c'est pareil, non? Bah, je... Oui, bah, c'est bon, ça va, j'y vais. Bip. Ah, c'est vrai que ça se complique, madame la vieille. Vieux cul, va. C'est quoi la blague du mec qui nique une vieille? Et qui... non... merde, c'est quoi? C'est une vieille qui nique son mari, je crois. Et ça fait tellement longtemps qu'elle doit se retirer les croûtes. Et le lendemain matin, elle retrouve un post-it sur la table de nuit en disant merci pour les chips, je sais pas quoi. Ok. Et une minute pour faire le dernier, c'est ça? Sur console, ça va être vraiment très galère, ça. C'est bon? Tex? Pourquoi Tex? Je m'appelle pas Tex. Un arbre qu'on me laisse aux ours. Tu vises sacrément bien. Mais j'ai un petit défi que je suis la seule à réussir. Oh là là. Grimpe en haut de ce silo et essuie-toi les pieds, je te prie. Ok, j'ai eu peur. J'ai commencé à flipper de ouf. Ok. Je vais lancer des casques attachés à des ballons pour faire des cibles.
T'imagines même pas les pattes que j'ai dû graisser pour trouver... Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes, Nana? Impressionne-moi en tirant sur les ballons qui montent. Depuis qu'il y a toutes ces tempêtes de sable... Qu'est-ce que tu regardes? Je suis la seule à avoir réussi à tous les avoir. Qu'est-ce que tu regardes? Oh. Oh. Oh yeah. Excuse-moi, c'est dans ma nature. J'ai regardé John Wick 3 fois, c'est bon, je suis fini. Hein. Putain, oui, il faut recharger avant de faire n'importe quoi. C'est bon. Salut Deadpool. Ça va, mec? Ok, alors. Est-ce qu'il va me filer une autre arme? Parce qu'avec ça, je vais pas avoir beaucoup de munitions. Ça va pas être forcément super... Spread Eagle. Ah! Bah non. Mais c'est pas ici. Elle a piqué le panneau. Oula, galère, hein. Elle a piqué le panneau Spread Eagle à la ville, à Fall's End. Ah, elle me file un Dragunov, ok. Fais pas tomber, ok. Bon bah ils sont tous là, ok. Charge. Ok. Bip, bip, bam, bam, bam. Tes câbles. Ça va. Tu veux que je mette mes yeux en face du tien? C'est vraiment gratuit. Aïe, aïe, aïe. Ça va? Ok, j'avoue, c'était pas mal. Tu veux que je recommence? C'est un... C'est quoi qui est... Bah mamie, on va se calmer déjà d'une. Une petite étincelle, y a pas d'erreur. C'est plus que ce que j'attendais. I've fallen and I can't get up. C'est toute la forêt qui prend feu. Et si on essayait un truc... Oh là là, elle va commencer à me saouler avec ses épreuves à la con, ça va, père Fourasse? Ça se défend pas vrai? Et c'est plutôt ça. Je vais taper... Qu'est-ce que je tape? Ah! D'accord! Ah, moi, ça me pose aucun problème, hein. Ah, voilà, enfin! Ah, mais en plus, ça fait des dégâts de merde! Ah oui, d'accord. Alors là, d'accord. Là, d'accord, c'est un défi. On en parle de son sympa senteur cul au collier. Bah, écoute, c'est une mamie, forcément, elle veut sentir bon. Elle sentir bon la chamomille. Mais on dit pas la camomille. Mais on dit pas un cheval. Ok, on recharge. Il est chiant ce flingue pour ça, il faut vraiment que j'en trouve un mieux. Mais qui tape aussi fort. C'est quand c'est bon, c'est au cédar. Tout le monde est mort là? Est-ce qu'il s'est pété la gueule lui? J'ai l'impression. Ok, vas-y, attends. On se calme. Faudrait que j'achète un des barrettes en fait. Non, tu aides pas ton pote. Et toi, tu crèves d'ailleurs. Allez, Taras. Je vais tirer deux balles dans la tête, mais apparemment, ça n'a pas suffi. De quoi? Deux. Attends, quoi? Est-ce qu'elle a dit le jambon que j'ai à la place du cul? On est d'accord. Elle a dit cette tempête est plus grosse que le jambon que j'ai à la place du cul. On est d'accord. Ah, écoute, je prends. Hein. Ça va, mamie? Oh, y a de quoi faire là. Oh, y a de quoi faire, mamie gâteau là. Mamie de. Ah, ils sont en train de se rouler dessus. Attends, non, pas cocktail molotov. Dynamite. Voilà. Tout ça là-bas, on va être tranquille. Je pars mon gun par contre. Merci. Putain, t'es toujours pas mort. Voilà. C'est bon. Ah. Ah bah là t'as vraiment cherché la merde. Là t'as... C'est... Tout est de ta faute là. Qu'est-ce qu'il a fait? Mamie, il décolle pas. Attends, j'ai peur qu'il fasse une connerie. Mamie, il décolle pas. Hein. Ok. Langage, mamie. Qui s'est improvisé dans l'urgence. Parce que les parcours, c'est facile. Les cibles qui courent pas partout, ça se laisse faire. Alors que les cibles en mouvement, comme ces merdeux mal élevés, ultra violents et sans respect, ça c'est les jeux vidéo, ça. C'est les jeux vidéo et le rock'n'roll, Nana, je suis d'accord avec toi. Agile, et tu tires comme l'éclair. C'est un profil assez rare chez une personne aussi jeune que toi. J'avais pas croisé ça depuis un moment. Crois-moi, tout le monde a besoin de pouvoir compter sur quelqu'un. Est-ce que tu peux finir juste ton dialogue à la con là? Voilà, passez. Tu peux compter
Voilà. Impeccable. On a une petite vieille avec nous maintenant. Oh, largage de ravitaillement, faut que je le fasse. Excuse-moi la petite vieille, casse-toi. Parce que j'ai un largage de ravitaillement et ça c'est une bonne idée ça. Ça c'est plutôt des bonnes nouvelles en général. Il est où? Quelqu'un a recruté Nana pour qu'elle batte contre nous. Donde est-ce? C'était un peu notre super mamie. J'aurais voulu qu'elle passe du temps avec nous. Merde. Détecté. Ah, là. Ok, go. Le malaise avec elle, putain. Ah ouais, non, ça par contre, c'est horrible. Les dialogues, ils vont être spicy, à mon avis. Attends, tu sais quoi? On va la prendre directement avec nous, là. Groupe. Allez, mamie. Ah, elle est déjà avec nous. Est-ce que je peux la réanimer, elle, d'ailleurs, Carmina Rai? Est-ce qu'on la réanime? Est-ce que ça vaut le coup de la réanimer? Allez, ouais, allez, j'ai ce qu'il faut pour. Et on en reprendra d'autres. Et je peux avoir qu'un seul, pour l'instant, ami, j'imagine. Ok. Allez, on va piller ça tranquillou. Merde, ils arrivent. Ils sont en train de se taper entre eux, du coup ça va plutôt bien pour l'instant. Hé, hey, mamie! Attends. Ah, ce qu'il prend lui, la vache! Qu'est-ce qu'il fout ce con? Les repas de Noël avec elle, ça doit être chaud. Ouais, si t'arrives à t'approcher de chez elle, quoi. Putain, elle a loupé en plus. Allez, tiens, mamie! Oh, ça va? Tu vas où? On comprend rien, hein. Est-ce qu'ils ont codé les mecs en voiture pour te drive-by? Non, c'est juste que comme j'étais un peu loin, il a pris le véhicule le plus proche, j'imagine. Allez, monte, mamie. Tu viens? Mamie? Tu montes? Allez, viens, on va en boîte. Allez. Ok, ça marche. Alors attends, qu'est-ce qu'on a là pour l'instant? Les avant-postes, ça c'est plus ou moins fait. Maintenant on a des niveaux 2 à faire. Ce qu'on voulait faire nous, tu sais quoi, on va faire une petite chasse au trésor. Ensuite on va retourner à Prosperity, faire les trucs de Roger. On va se faire une petite rogette. Hop, on va suivre le GPS, on est pas des fifous. Est-ce que j'ai une radio? Dans la confiture? Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'elle est clairement... Elle est clairement pas doublée par une vieille. C'est juste, elle est doublée par une nana d'un âge normal qui se force un peu sur la voix, tu vois. Ça me fait toujours rire. C'est pareil pour les gamins. Quand tu sens que clairement un gamin, il a été doublé par un mec qui fait... Oh, j'ai 6 ans et demi. Et remplir les impôts à 6 ans, c'est vraiment compliqué. Tu diras quand tu seras à la mission d'extraction Plane Wreck. Ok, d'accord. Bah écoute, pour l'instant, on va aller récupérer un petit trésor. Et ensuite, même si j'en ai un assis à côté de moi, oui, nana. Et ensuite, on ira faire un petit Roger. Ah. Oh la vache! C'est rien. Tout va bien, mamie. Tout va bien, ouais, vas-y, tire, mamie. Tire, mamie, c'est la merde, mamie. Tire. Oh le bordel! Tire, mamie! Putain, oh la vache, elle a l'air vénère! Aïe aïe! Tire! Putain, couvre-moi, mamie! Oh la vache! Par contre, il faudrait une arme plus vénère en arme de poing, mamie. Hein. Parce que là, pour l'instant, le P226, c'est pas GG, hein. Ah, y'a mieux! Ok. Alors, j'ai pris un petit raccourci. Ouais, apparemment, ouais. T'as l'air d'avoir 1200 ans, donc j'imagine... Ouh, y'a un nouvel avant-poste, en plus. Ah, c'est un nouveau ou... Ouais, j'ai l'impression que c'est un nouveau, ouais. On verra ça plus tard. T'imagines un mec qui rate son créneau, il va se faire allumer. Là, pour le coup, ouais, j'ai l'impression, ouais. Mais d'ailleurs, attends, faut que je vois un truc. Au niveau de son... de ses skills, qu'est-ce qu'elle a? Silencieux, d'accord. Monstre de fumée, Nana peut voir à travers la fumée, et ensuite, Nana tire à travers les couvertures. Ok, c'est pas mal. C'est plutôt stylé, hein. Elle te sort son gun de sous sa gaine, tu comprends pas. Waouh, sympa la rime à la 7 geek. Elle va sortir un putain de deagle de sa vieille culotte, tu sais, qui descend jusqu'au genou. Tu sais, les trucs bouffants un peu, là, comme la petite vieille dans Courage. Ok, allez, let's go. On va pas perdre notre temps avec ces merdes, là. On va aller directement au trésor. Est-ce qu'ils sont en train de me suivre? Non, c'est bon. Est-ce que tu penses qu'on peut buter le bison d'un coup?
Non, on peut pas. Je crois que j'ai tué la vieille. Attends. Ouais, attends, c'est la merde, mamie, là. Attends. C'est bon. Il est occupé. Rentre, mamie. Faut rentrer maintenant. C'est maintenant, mamie. Il est où? Il est pas là? On se casse. Oh là là. C'est qui ce con? Oh la vache, putain, ils ont une muscle car. Tire, mamie. Oh putain. Attends, on va se... Oh la vache. Mais attends, c'est un niveau 3. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ok, même s'il est niveau 3, je peux quand même lui niquer sa race, mais... Ok. Heureusement que j'ai la canoncier. Oh la vache. Ok, on peut pas prendre la bagnole. Il y avait un bruit de prédateur. Je suis pas fou, là. Oui, j'ai entendu. Ouais, toi aussi, tu l'as entendu, l'autruche. Putain, je commence à ressembler à l'Indien. Si, à l'Indien dans Predator. C'est lui qui commence à le voir, alors parce qu'il est magique. Parce que tous les Indiens sont magiques, d'ailleurs. Ok. Allez, Nana, on traverse. Ça fait du bien pour les... Wow, putain, elle nage super vite. Nana. Ouh, qu'est-ce qu'elle me montre, là? C'est mamie, le Predator. Mec, si elle commence à sauter sur les arbres, je vais commencer à péter un plomb. Aouh. C'est quoi ce délire? Tu sais qui me bute? C'est quoi? Oh putain! Mamie! Attends! Je sais pas ce que c'était, mais. Mais c'était cool. J'ai bien la mamie qui a flippé un peu aussi. Oh bon sang! Oh! Je sais pas pourquoi c'est Mickey, mais. Hein? J'aspire la force, j'aspire la connerie? L'effet a galéré sur quelques frappes, ça arrive. Atelier de Zion. Zilon. Attends, il y a un truc caché là. Ok, j'aime bien qu'ils mettent le nombre de trucs qu'il y a à looter dans certaines zones. Ça, c'est plutôt pas mal. Regarde, tac. On a un. Oh! Elle vise un peu n'importe où cette connerie. Hein. Ok. Allez, mamie! Impressionne-moi, mamie. Mamie! Je vais t'enfoncer la tête dans les sphincters. Il est long. C'est tout un programme. Tu vas faire ça tout seul? Eh, mais voilà. Non, mais le gars, il dit beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'il en assure pas beaucoup derrière. Il y a encore eu un bruit de prédateur. Ça me plaît pas beaucoup, ce que j'entends. Hein. Justement, ça me plaît beaucoup trop. C'est ça le problème. Je vais t'enfoncer la tête dans les sphincters. J'aime bien le rythme de la phrase, en tout cas. Les gars, c'est des poètes. Hein. Allez, voilà. Richard, à chaque fois que tu dis mamie, j'entends Perceval qui appelle sa grand-mère dans le cabinet. C'est l'effet escompté. Mamie! Il paraît qu'elle est des envenimeux! Je vais vous en coller un dans le pif, moi, des envenimeux! Il vous pique et après vous voyez tout rouge, et ensuite tout blanc, et ensuite deux fois tout rouge! Les gars, Maître Zilon l'a dit lui-même, s'il a construit cet atelier comme ça, c'est pour entraîner notre corps autant que notre esprit. Si on veut avoir la moindre chance d'être à sa hauteur, on doit faire comme lui, on n'a pas d'excuse. Alors arrêtez de vous plaindre de la salle des réserves, il est trop difficile d'accès, et estimez-vous heureux que Maître daigne nous enseigner son art. Ok. C'est ça, mamie. Allez, vider. Allez, mamie, il faut vider. Allez, on va se vider, mamie. C'est quoi, ça? Il y a un truc à péter, là-bas. J'entends un truc, là. Tu penses qu'il y a un truc à péter, mamie? Attends. Oh, mamie! Bon, artisanal. J'entends un genre d'ouverture de gaz. Je suis sûr qu'il y a un truc à péter. Attention, mamie! Oh, la mamie, quoi! Oh, elle s'est envolée, attends! Mais t'étais moins loin que moi! Oh là là! Ok, alors. Mamie! Voyons voir, attends. C'est rien, mamie, c'est rien.
C'est que des abeilles. Tu connais certainement des secrets pour Kesbar. Oh la vache, la taille des trucs. Putain. Bon, ils sont en 2D, mais ok. Est-ce qu'on peut, tu crois... Oh yes. Oh yeah. Oh no. Vous vous souvenez quand Vin Diesel, il arrête, il soulève ça à une main dans Fast and Furious 5 4. Oui, 4. Quand il interroge un mec, et il le fout sur une bagnole, et il fait tomber ça sur le gars, mais il le rattrape à une main avec la chaîne de l'autre côté. Ça va, mamie? Ah, galère, mamie! Waouh, waouh! Mamie! Bon. Ah bah, j'ai bien... Ouais, je me disais bien qu'il y avait des trucs qui fumaient. Ça... Wow, la vache, ça m'a effrayé! Ok. Je vais prendre un fusil de chasse au cas où il y a des choses pimpantes dans le coin. Même si c'était un dessin de mon petit fils, je le collerais pas sur mon frigo. Ça, c'est vénère par contre. Hein. Mamie, elle a des punchlines, mon gars. Ah, Y a des trucs à actionner là, non? Attends, je vais faire tourner ça? Mamie, j'ai l'impression qu'il faut faire tourner les serviettes. Hein. C'est le genre de truc qui me fait bouillir les veines. Calme-toi, mamie. Je sais que t'es... Ah, à l'autre côté, il y a un truc. Comment on accède à l'autre côté? Attends. T'as laissé un second volant jaune. Ouais, j'ai vu, du coup, il faut que j'arrive à passer de l'autre côté, mais... Mais comment passando de la otra vez? il est là, non? Voilà, bah, il est là, mais... Comment assez? Me gusta... En bas? Ah, en bas, il y en avait un? Ah! Me gusta fortuna, me gustas tu... Ah oui, là! Exact. D'accord, et ça fait un petit pont. Ok. Merci, les gars. Alors... Ah! Voilà! Heureusement que vous êtes là parce que putain, je galérerais tout seul. Hein. Et hop, on fait ça. Ça va soulever cette bagnole, ça ouvre la porte. Et on est immortel. Voilà! Ah! Et on est bien là! Putain, par contre, en plus, les caches au trésor, j'ai l'impression qu'il y en a carrément plus que dans Far Cry 5. Ou alors non, c'est sans doute parce qu'il y a des ressources à ramasser et que du coup il nous file des ressources en plus. Ouais, je pense que je suis... j'ai un biais cognitif, je pense. Comme dit Adwim, je pense que j'ai un biais cognitif. Ça arrive. Dommage qu'il soit pas là pour nous expliquer le principe. Ça aurait été intéressant. Ta gueule, mamie. Mamie! Bon, et bah écoute, on a trouvé 45 crédits. Oh putain, il fait nuit. On en a passé du temps sur ce putain de puzzle là. Donc ça, c'était cool. Maintenant, on va aller trouver notre poteau Roro. Roro, GG, Roger. Voilà, en plus ça nous fait passer par un petit chemin qu'on n'a pas encore visité. Il n'y a pas un véhicule. Mamie, t'aurais pas un quad dans la chatte? Mamie? Ouais, viens quand tu viens. Me gusta la manana, me gustas tu. Pour notre souverain! Notre souverain! Rarin! Oh, suis. S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Merci! Pourquoi il gueule encore? Mamie, tire! Ow! Oh la vache, c'est le bordel! Oh la vache! Oh putain, le headshot qu'il lui a mis! C'est bien, mamie! Oh! Je saigne! Bah oui, tu fais chier aussi! Tiens! Impeccable, c'est bien, mamie! Tu fais ce que tu peux, et pour ça, je suis reconnaissant! Ça va, mamie? Alors, on était au premier plan, quoi! On va peut-être le buter maintenant, je pense! Ah. Il est gentil, il klaxonne avant en plus. Ah non, pas à travers les flammes. Ça je prends. Attends, parce que ma vision est encore un tout petit peu sensible, ça fait chier ça. Attends. Ouais, en général, dans les FPS, j'aime bien... Ah là, ça c'est bon ça. Ouais, c'est bon. Ah oui, ça c'est bien mieux. Ah oui. Allez, sors poteau. Putain, on dirait Tommy Wiseau. Ah, je l'ai bien fait! Je l'ai bien fait, le rire Tommy Wiseau pour une fois! Lucienne, t'as déjà vu la vidéo de la mamie allemande qui fait santé comme en 43? Ouais. Tout le monde fait Prost! Et tout le monde. Comment? Je crois que j'en avais même déjà parlé en stream. C'est une réunion de famille allemande avec tous les cousins, tous les fils et la mamie allemande.
Et ils sont tous à faire Prost comme ça, et là, t'as la vieille qui soulève son verre, mais la vieille c'est une momie, hein. Elle fait Heil Hitler. Ouais, la pauvre, elle, ça a été une vieille sénile, quoi, tu vois. Ah, les vieux, ils sont rigolos. Les vieux, ça s'adapte pas, hein. Ok. Avec leur skateboard et leur R&B, leur rhythm and blues. C'est quoi ça? C'est un mec habité? Non. C'est la mamie? Attends, je veux juste voir la scène. Attends. Black Hulk Hogan et mamie en de route encore pour de nouvelles aventures. Oh putain! Ah, c'est génial! Rien ne stopping us now! Wouh! On va bouffer! Ouais, c'est des références à Shrek! Il y a de tout ce soir, référence à Kaamelott, référence à Shrek! Granny and Rocky, la nouvelle série post-apo! Mais c'est pas Rocky, c'est Black Hogan, il s'appelle. Hulk Maniac! Wouh! Y'a pas eu Mission Cléopâtre encore. Ça va. En fait, j'estime que ma vie est plus ou moins une référence à Asterix Obélix, Mission Cléopâtre. Du coup, c'est vrai que j'en fais un peu moins. Mais mes intentions sont pures, le truc, je t'inquiète pas. Rien ne stopping us now! Wouh! On va boomer! C'est qui ça? C'est méchant ou pas ça? Attention, je roule! Ah, la vieille, elle a rien dit, c'est dommage. C'est bien. Dis-moi en plus, mamie. Explique-moi les parties endiablées de Bridge. T'as fait Macho Man et Ric Flair. En fait, j'ai fait Hulk Maniac. Donc, oh putain, mamie. Mamie. Oh, mamie. Je suis désolé. Oh, mamie, elle est allée. Oh, putain. Oh, d'accord. Eh, mec, c'est magique. Il y a des choses qui se passent ici. Je pense qu'on est loin de se douter de tout ce qui peut se passer, quoi. Ça va, mamie? Ouais, mais accroche-toi un peu plus, putain. Je sais qu'il y a... Ouais, évidemment que t'es prête, mais... Oh, là, j'ai fait voler mamie, quoi. Ground control to Major Nana. Oh, la vache. Ah. Take your protein pills and put your helmet on. Mon gars, elle s'est pris un suplex à distance. Oh. Yes. J'ai. C'est quoi? Il y a un quad. Oh putain, niveau 3. Qu'est-ce qu'il fout ce con? Ok, c'est bon. Oh, le bordel, ok. Allez, mamie, monte. Oh, mamie, sort cette carte. Mamie, cette carte. Viens, mamie. Mamie. Il y a eu un truc, là, non? Mamie. Voilà, yes. Yeah. Wow, yo, yo, yo. C'est bon, mamie. Je fais bouclier de mon corps défendant. Silendi, n'hésite pas à poster le clip sur le Discord. On a un channel pour. Rien ne stopping us now. On va boumer. Oula. C'est rien, mamie. Aïe, aïe. T'accroches un peu, mamie, hein. Ça va? Putain, il ressemble à Gérard Jugnot. Oh la vache. Non, j'ai mal aux abdos, quoi. Eh ben, ça m'a pulvérisé de l'avoir s'envolé avec sa vieille gaine, là. Ouais, t'as beaucoup de chance. Heureusement que j'ai mon fusil de chasse porte-bonheur. Hein. Ça va, mamie? Attends. I fall and then I can't get up. Allez, viens, mamie. Monte. Go. Allez. Allez. Allez, gros cul. Voilà.
Apparemment, le 3 de THQ aurait déjà leak avec Darksiders Genesis au programme et un nouveau Destroyer... Un nouveau Destroyer Humans. Oh, pop, pop, pop. Alors ça, mon gars. Alors ça, mon gars, un nouveau Destroyer Humans. Colorie-moi impressionné, comme on dit. J'ai vu un paquet de ravageurs essayer d'entrer dans un vieux bunker pour tout piller. Moi, ok, donc c'est lui, en gros, qui nous donne tous les toutes les infos au niveau des trésors, j'ai l'impression. Ta chance. Fais-toi plaisir. Ok, alors... Où est-ce qu'on en est? J'ai combien de... J'ai 343 fuel. On peut se permettre d'améliorer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a qu'on n'a pas encore tout à fait amélioré et qui nécessiterait... Quand l'entraînement améliore la santé et les dégâts des mercenaires. Eh bah écoute, on peut même en prendre 2, on peut en prendre 3 même, regarde. Si je fais... attends, 144, ça fait 250. 343, ça fait... Non, j'ai pas assez pour 3. Mais on peut faire au moins... quand l'entraînement... Waouh, mamie badass. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Attends, elle était en train de faire des trucs. What? Je suis là pour toi, Bichon. Bichon? 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 T'as beaucoup de chance. T'as beaucoup de chance. Ensuite, on peut améliorer ça. Voilà. Ah. Yes, enfin on va faire pousser la weed. Toute la weed qu'on voulait faire pousser depuis des années. Il y a Seth Rogen qui va... Ah non, ça nous fait pop des plantes maintenant. Oui, je sais pas à quoi je m'attendais. Non. Ou alors c'était déjà là de base. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Et ensuite... et bah ça, regarde. Non, ou alors... 'Cartographie ? La cartographie, ça peut être pas mal. Hein. Parce qu'il me reste que 168 et j'aimerais bien choper les deux en fait. Donc je pense que je vais prendre cartographie. Comme ça, on pourra je pourrais, comment dire, farm hors stream. Donc ça ira mieux. Et évidemment, c'est un Indien qui s'en occupe parce qu'il sent la terre. Bravo, racisme, Guillemot. Bravo. C'est nos assaillants. Vraiment ? Chapeau. Ta gueule, Donald Renew. On sait que tu fous la merde. Alors attends, qu'est-ce que t'as à vendre comme carte d'info ? C'est quoi ? On va vendre des trucs aussi. Je me suis gouré de boutons. Ça m'énerve. Ok, ça me fait 30 ressources. On va recharger les munitions vite fait. Vite fait. Voilà. Merde. Et les cartes d'info. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ces cartes indiquent toutes les caches de ressorts à Hope County. De quoi rebondir toujours plus haut. Ah non, j'espère qu'il va pas faire une... Des mécanismes. Ils ont l'air plutôt costauds. Quoi? Des mécanismes. Est-ce qu'il n'y a pas genre une grosse surveillance à Gears of War, mais mal traduite? Je sais pas. À l'époque, ces trucs étaient le paradis des bidouilleurs électriques. Ah non, c'est pas que des blagues en fait. C'était des disques partout, sauf les mariages, selon mon père. ok, mais finalement, c'est peut-être un peu de la merde. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, ah, non, à mon avis, en fait, il y avait pas de blagues. C'est juste qu'on est con. Mais ouais, est-ce que je peux avoir des munitions? Pourquoi? Ouais, bah non, c'est bon. Ok. Ok, bon, et bah écoute, ça c'est fait. Maintenant, notre petit Roger, vas-y, dis-moi. Allez, allez, un petit. Solid Gear Metal... Oh putain mec, si c'est Metal Gear Solid. They look solid. Putain, ça peut être ça. Ça peut être ça, Ellie. Ah, c'était malade. Ok, je suis prêt pour la suite. Eh oui, nous y voilà. Asti que t'es cool, toi. Ah, j'adore. Attends, ce qu'on va faire, je vais faire pause vite fait, les gars. Je vais chercher un coca. Ne partez pas, je reviens dans... Allez, 10 secondes. Allez, top. Je suis là. Non, c'est... Attends. Je me suis juste un peu pété la gueule sur mon tapis. Y'a aucun... C'est pas grave. Ça compte pas. Voilà. Ah. Impec. Alors, Roger. On les a eu, les trous de cul. Bande de cave. Ok, c'est bon, je suis prêt. Juste un truc sur les ravageurs. Quand on les chasse, ils reviennent toujours plus fort. Je l'ai vu de mes yeux. Alors, si ça te dit de te refaire une forteresse, c'est possible. Mais ils feront tout ce qu'ils pourront pour nous compliquer la tâche. Mais sinon, on peut aussi aller ailleurs. Alors, regarde ça. Ok, donc c'est pareil en fait que les... ...du seul pont qui tient encore au-dessus des canyons au sud-ouest.
Ils attendent que les gens traversent, puis là, bam! Ils leur tombent dessus pour leur faire les poches. Chez nous, on dit que quand on se fait avoir, on se fait fourrer. C'est vraiment le bordel. Tu veux que je t'explique mon plan? Explique-moi tout, Roger, mec! On leur prend tout ce qu'ils ont, comme ils prennent aux autres. Puis c'est tout. Merci, bonsoir. Alors à toi de me dire. Mais go! Mais mec, mais go, quoi! On part pour le pont Navajo dans ma grosse patate. Grosse... Ouais! Où tu veux... Je veux... On va où tu... Ah merde, en fait, on s'en fout de lui parler, en fait. Ah non, c'est bon. Navajo Bridge. Eh ben, tabarouette, on va faire un Navajo Bridge. Je laisse ça un bien. D'accord, donc en fait, oui, c'est vrai qu'on peut stepper aux expéditions sans trop se casser les couilles. Mais il fallait absolument lui parler, je pense, pour la débloquer de toute façon, donc allez. Navajo Bridge, tabarnak. Le seul moyen que ce soit encore mieux serait que c'est doublé par Captain Canada. Courte manche. Courte manche, il a une chaîne YouTube maintenant. Et il fait des stéréotypes racistes. Je rêve que tout le jeu soit avec des Québécois. Et il y a que deux occurrences où j'ai entendu du vrai Québécois dans des médias, je veux dire. Il y a donc Far Cry New Dawn, et ça m'a foutu sur le cul. Et le troisième film Transformers, je crois. Il me semble, avec les deux Autobots qui sont un peu gros là, je sais plus comment ils s'appellent, c'est deux Autobots qui sont un peu gros. Dans la version française, ils ont un accent à moitié du sud ou un accent à la con, mais dans la version du coup doublé français québécois, ils ont un gros accent québécois, mais vraiment ultra vénère quoi. C'est là-bas. Ça me met en tabarouette, ça me mettra en crise tout ça. Par contre, c'est quoi ce désert là? Il n'y a pas de désert depuis tout à l'heure. Hein? Oh la vieille, il est avec moi! Vas-y, viens! Je veux un Autobot avec l'accent arabe. On a besoin de plus de représentations québécoises en vrai. Bah, c'est vrai qu'en tant que français, ça nous touche pas forcément, mais moi j'aime beaucoup ça, moi. Wow! Eh, mais non, mais en fait, c'est même pas une map qui fait partie du jeu. J'ai l'impression que c'est des maps qui sont générées. Mec, regarde ça, on dirait une map de Outlaws! What? Ça me fait capoter, là. Je sais pas pour vous, mais ça me fait capoter, là. Ok. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe ici. Oh la vache, ça a l'air complètement vénère. Y'a son père? Ah, si, ok. Pour l'instant, c'est du niveau 1. Oh, un sniper. Laisse-moi me le faire. Attends, mamie. Mamie, tu attends, ok? On va se calmer sa grosse race, d'une. Ah, tu pourrais l'attaquer d'ici, remarque. Vas-y. Yes! Putain, mais c'est génial! Mec! Elle déboîte! Lui, tu peux? Oh, mais putain! Mais elle déboîte, mais les côtes. Putain, je t'adore, mamie. Je me souviens plus où j'étais quand il y a eu toutes ces histoires avec Eden's Gate. Je sais juste que j'ai pas participé. Les gens me disent qu'ils arrêtaient pas d'enlever des gens partout. Tout ce que je sais, c'est que j'étais dans mon... Ouais, c'est dans ton cul, ouais. Alors attends, est-ce qu'il y en a ici, des copains, là? Ah, il y en a ici aussi. On va pas faire tout faire par mamie, parce que bon... Là, oh, il y a des chèvres, enfin des trucs. Il y en a aussi un là-bas. Mais du coup, ça veut dire qu'elle peut aussi chasser pour nous, remarque, maintenant j'y pense. Lui, tu peux? Oui, il va arrêter de nous emmerder. Ouais, mais tu peux pas le choper là d'ici, non? Tu veux essayer, mamie, quand même? Si? Je l'ai eu. Putain, la vache, wanted, quoi! Le jeu, c'est devenu MG5 tout à coup, ouais, pour le coup, carrément, ouais. Hop, moi aussi, je peux tuer des trucs, hein. C'est sûr, faut pas gâcher. Allez, vas-y, on va s'infiltrer, mamie. Tu me suis, mamie? Mamie, dis-moi que... Oh yes! Yeah, mamie! Ah, j'adore. Tu peux ping les boss, à mon avis, ouais. On va essayer ça tout à l'heure. J'ai pas l'impression qu'il y ait qui que ce soit sous le pont.
pense qu'elle va bien nous aider quand on va essayer de se barrer en fait avec le colis en fait. J'ai dit deux fois en fait, ouais. Mais ici on fait tout en double à la Mégaforge. À la Mégaforge. Y'a quelqu'un ici? Mon gars, ça va John Wick le coin là? Je le sens. C'est vrai qu'il y a vraiment un gros côté MGS5. C'est pas trop pour me déplaire, même s'il a été un peu foiré des MGS5. Ouais, oh. C'est pas mal aussi l'infiltration, mine de rien. Non? Bah ça a l'air bon, non? Merde. Chut, c'est bon. Personne m'a entendu, personne m'a vu. Elle a rien dit, elle a juste fait ah! Normalement, y'a personne là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'alerte qui a été envoyée, donc écoute. Est-ce qu'il y a une alarme? Y a des alarmes dans ces coins-là ou quoi? Y a une skin coyette pour mamie. Je sais pas s'il y a des skins d'ailleurs pour les potes. Oh mamie, oh c'est dur. Oh c'est dur, je sais. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'alarme en fait. Est-ce qu'on a une petite carte du coin? Non, non. Bon bah écoute. De toute façon, ils ont dit dès qu'on va choper le sac, ça va nous tomber sur la gueule. Donc on peut s'y attendre. Hein. Ça, c'est juste pour casser les couilles, littéralement. C'est où? Ça fait bili bloop. C'est ici? Ah, oui. D'accord, c'est juste à côté de lui, en fait. Très bien. Oh, oh, y a une la bande-son, là. Ta gueule, y a la bande-son. Non, parle-moi, en fait, j'ai rien dit. Ok, impeccable. Allez, go. Allez, Roger. Viens nous aider, Roger. J'ai pris des dégâts, je sais pas pourquoi. On a 10 secondes en, pour être encore... inconspicueuse, comme on dit, mamie. Allez, fonce, mamie. Mamie. Non, dégâts, c'est rien, les gars. Qui c'est qui me voit? C'est des chèvres, on s'en fout. Ah non, il y a des mecs. C'est trou de cul. À chaque fois, ça me fait rire. Ils savent pas dire trou du cul, en fait, les Québécois. Ils disent toujours d'être trou de cul. Ok, on a juste 1 minute 46 à attendre, mamie. On est tranquille. J'ai une M60. J'ai des méchants en ligne de mire. Tire, mamie. Adieu, laser. Oh, ça va te faire une belle cicatrice en plus. Ok. Ah. Wow, bah. Ok. Putain, les mecs sur un sidecar, on dirait en la 7ème compagnie, quoi. Ok, ferme ta gueule. Aïe. Y'a qui vient? Ok. Est-ce que t'as vu que la voiture s'est modélisée après eux? Merde, c'est un couteau, quel con. Impeccable. Défi terminé, nana. Donc à mon avis, elle a gagné un point de quelque chose là. Je pense que tuer ce mec comme ça à l'écran, ça va me faire suspendre la chaîne, mais c'est pas grave. Nana R34. Quelqu'un cherche? Jouez les petits cons! Oh mamie. C'est le meilleur personnage pour l'instant. C'est pas compliqué hein, mais c'est le meilleur personnage. Non, tire pas sur l'hélico, déconne pas, hein. Il est où? T'es où, Roger? Oh la vache! Ça venait d'où, ça? Il est où, l'enculé, là? Je me suis pris une roquette dans la gueule. C'est mamie, ça? Ah non. T'es génial, mamie. Allez. Je suis là. Allez. Putain, mamie et Roger, déjà... Ça fait une bonne fanfic, quoi. Ça fait un bon ship, comme on dit dans le métier. Hop. Mais non. L'hélicoptère ne doit pas être détruit. Mais on va faire ce qu'on peut. Allez, go. Mamie! Ah, mais elle s'est téléportée. Ok, allez, ma grosse patate. J'espère que tu parles pas de mamie, parce que... Allez, go. Ah, c'était... Ah. Un cheveu, c'est complètement dingue. Tu sais ça? Et je suis content que tu sois de notre côté. Ah. Parle-moi encore, verse... Oh là! Fais gaffe, t'as un sapin qui était possédé, mamie, c'est pas grave. Ah,
Ah. Et bah c'était un peck. Non, c'est les meilleurs personnages. Tu vois, je pense que genre Left 4 Dead aurait pu profiter d'avoir un personnage qui serait une petite mamie. Une mamie un peu vénère, tu sais, la mamie ancienne serveuse, tu vois ce que je veux dire. Alors Titan plus 300, c'est énorme. Je pense qu'on va pouvoir se faire un gros hélicoptère avec ces conneries. Et encore lui, là il a encore un trésor pour nous. Ah ouh. Les empêche d'entrer dans un abri rempli de trucs intéressants. Des carcajous encore. Il paraît que tu serais content de pouvoir fouiller tout ça. Ouais, il y a Bill, mais c'est un vieux vétéran quoi. Vous avez fait énormément. Là, une petite mamie, tu vois ce que je veux dire. Un peu bonne en plus. Est-ce que je peux faire un hélicoptère? Hélicoptère. Oui, je peux. Oui, je peux. Buzzer artisanal. Eh bah écoute, ça c'est fait. Et comme ça, on est tranquille. Tu sais quoi, je vais en profiter pour recharger mon munition pendant que je suis ici. Voilà. J'ai quoi à vendre? Un serpent. Je l'ai pas vendu, tant pis, je le vendrai plus tard. Ça m'énerve. Salut Dolly. Et salut Vito. Qui arrive exactement en même temps. Je pense qu'ils sont... je pense qu'ils ont passé du temps ensemble. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es en train de clouer des feuilles, mais ça va vraiment pas, toi. Hein. Ok, alors. C'est à 700 000 km. Je pense qu'avant ça, on va se faire... foutre, non? Sharky Borsha. Salut. Eh. Non, personne. Ok. Bon bah, et tu sais quoi, on va aller voir le père. Vu que là on est chaud. Est-ce qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire le père ou est-ce qu'on va chercher des trésors un petit peu? C'est quoi ça? Ça a l'air vénère ça. Vous préférez qu'on fasse quoi avant? D'ailleurs, déjà je vais aller à l'hélicoptère. C'est vrai qu'on gagne plein de défis aussi. Putain, regarde, j'ai déjà 8 points de compétences. Exécution expert, tu vois, regarde. Hop, exécution sur les niveaux 3, ça c'est bon ça. Là on est immortel. Je me demande quand est-ce qu'il dort, mon nouvel Eden. Il rôde toutes les nuits. Ok. Sucer, c'est pas pédé si tu te brosses les dents après. C'est vrai, Vito. C'est vrai, je sais pas quel trop rapport ça a avec tout ce qu'il y a eu. Mais c'est vrai. Oh, c'est joli, regarde comment c'est joli. Waouh. Ça nous rappelle pourquoi on se bat. Trinity. Alors, tac, ça c'est bon. On se casse. Il est mon hélicoptère. Yes. Oh, mamie. Viens, mamie. Wow, 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 wow. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, putain. Je crois... Attends, j'ai l'impression qu'il marche... Non, si, c'est bon. Non, si, c'est bon, il marche pareil. Ok. J'ai l'impression que l'hélicoptère avait pété un plomb, mais... Je pense par contre que c'est l'hélicoptère le plus long de l'histoire des hélicoptères. J'ai tiré sans faire exprès. Est-ce qu'on peut... Sérieux, je suis au maximum, là? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Bon, ça souffle, hein, mamie. Je tiens même pas le joystick, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, encore? Ça allait très bien, ça, dans le jeu d'avant. Pourquoi maintenant ça merde? Non, par contre, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir... Attends, on va atterrir... Il y a une muscle car juste là. On va la prendre avec nous. Allez, mamie, tire. Tire sur eux là, tu peux? Allez. Oh. Allez, mamie. Oh. Encore une petite. T'es vraiment une merde. C'est bien, mamie. Je suis pas expert, mais ça se fait de conduire un hélico à une main. Ouais, potentiellement, ouais. Je pense. Yes. Ah là, on peut faire des burns. Ça sert à rien, mais on peut faire des burns. Bon allez, on va aller chez le père en Mustang. Enfin, on dirait une Chevelle SS en fait plus. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Moi, c'est ça que je veux faire. Ça, voilà. C'est à 4 km. Allez, c'est parti. Calme-toi, mamie. Oh putain, oh putain. Elle m'effraie. Elle me fout les boules. Ok. Eh merde. Si je pige bien, dans Far Cry 5, tu dégommes toute la map et plein de bunkers avant de te rendre compte qu'en fait, c'est toi qui as tort et que le connard que tu butes à la fin voulait en partie sauver des gens. Et maintenant, tu fais New Dawn qui est post-bombe nucléaire. C'est exactement ça, Dolly. En fait, oui, c'est ça. Le gars, là, Joseph, était complètement taré. Mais il voulait faire sa propre petite société survivaliste parce qu'il savait que le conflit américano-russe allait partir en couille.
Et toi, t'as passé ton temps, ouais, à défoncer bah, son culte. Mais comme aussi c'était un gros drogué, bah ça pose pas de problème. Mais oui, tu as suivi, bravo Dwelly. Bravo, bravo. Et en plus, tu m'as permis de rappeler l'histoire à des gens qui peut-être sont là et qui ne connaissent pas Far Cry, ce qui est fort peu probable, hein. T'auras une petite interro après, ouais. J'ai lu une petite érection, alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou toi qui as mal écrit, mais ok. J'ai foutu le trajet automatique, hein, donc est-ce que je peux lâcher l'accélérateur? Non, j'ai pas l'impression que je puisse. Tant pis. On a des invités pour le thé. Je vais boire un peu mon coca. Je vais mettre mon coca à droite, comme ça je serai tranquille. Ah. Et bah du coup je peux vous lire et vous écrire et vous répondre de manière efficace maintenant. C'est bien l'autodrive quand même. Ok, j'ai toujours été nul en interro, ça me va. Alors Dwelly, cite-moi le nom de la fratrie des Sid. Qui sont sous les ordres de Joseph. Il y a trois membres, vas-y j'écoute. Personne n'y souffle, hein. Dans le fond, vos gueules. C'est pas. Le mec, il banque direct, quoi. Boccolini, elle va te péter la gueule, hein. Attention, hein. Elle est sérieuse, hein. Elle va t'étouffer avec ses gros nibards. Riri, Fifi et Loulou. Bravo, Céline. C'est la famille Manson, ça. Yeah. Avec mamie, t'as même l'autoshot, tu vas pouvoir lire des heures durant. Ouais, c'est ça. En fait, il me faudrait un expert qui conduit et mamie. Et je serais tranquille. Femto, Brain et Sloan. Exact. C'est Slan ou Sloan? Non, c'est Slan, t'as raison, c'est Slan. Je crois que je suis suivi. Tiens, mamie. Civilization. C'est dans dans Jojo, les Pillar Men, leur nom c'est des références aussi. Je sais plus si dans Berserk c'est des références, Femto, etc. Mais ouais, dans Jojo, il y a quoi? Il y a Kaz. Donc Kaz, c'est la chanson Kaz, hein. Il y a SCDC, je crois. Et Wamu, c'est Wham, le groupe de George Michael, je crois. Ouais. Sloan, c'est dans Blood Dragon. Ah merde. Ah oui, c'est vrai. Mais elle s'appelle pas comme ça aussi, il me semblait. Peut-être que je lis mal, en fait. Wamu, Kaz et ACDC, ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est Kaz, Wham et ACDC, quoi. Here in my car, I feel safest of all. I can lock on my door and it's the only way in. In Kaz. Les God Hands, c'est des références des bouquins de SF à Skip. Parce que moi, ça me dit Femto et tout le reste, ça me dit rien, moi. Eh ben, c'est en fait de la route à faire. Ouais, heureusement qu'on a un GPS et mamie, hein. Allez, mamie, merde. Je croyais qu'elle allait rester là. Attends. Merde, quel cliché. T'inquiète pas, mamie. Allez, relève-toi. On y va. Allez, on continue. On a fait la moitié du chemin. Je suis vénère, par contre, que les hélicoptères soient de la merde. Parce que dans le premier, c'était plus ou moins putain d'utile. Surtout que t'as du chemin à faire. Je sais pas s'il y aura les avions. À mon avis, il y aura pas d'avion dans celui-là. Parce que je pense qu'ils ont fait en sorte que justement les hélicoptères soient beaucoup plus longs pour nous donner une impression de grandeur de la map. Ok. Est-ce que t'as entendu que le camion a fait bip bip en reculant? C'est incroyable. Donc je pense pas qu'il y aura d'avion parce que ça rendra le reste de la map complètement futile. À mon avis, c'est ça. Ça doit être de l'enflage de temps de running. Pas un peu chiant la grandeur de la map, si. Surtout si les hélicos sont tous lents de merde. Faut voir l'hélico suivant s'il est mieux. Ouais, peut-être que j'essaierai d'améliorer directement le garage juste après, ouais. On va essayer de faire ça. C'est gentil, ça. Est-ce que je suis suivi? Ah oui, oh la vache. Oh putain, on dirait Duel. Vous connaissez le film Duel? Le mec qui se poursuit par un camion tout le temps, là. Ah bah, il a abandonné. C'est de la merde. Oui, c'est ça le nom, je crois, du film Duel. Oui, c'est ça, Duel. Ah, mais c'est aussi des canettes que je lance avec ça. Oh, c'est dommage. Putain, mais ils ont vraiment eu aucune inspiration, quoi. On aurait pu balancer un truc un peu plus intéressant que des canettes comme dans le jeu d'avant, quoi. Déjà, dans Blood Dragon, tu lançais des D20, c'était beaucoup trop stylé. Duel, le premier film de Spielberg, c'est ça, avec le mec qui se fait poursuivre par un camion.
Je crois que je l'ai vu à la télé il y a super longtemps. C'était bidon, mais c'était bien. Après, j'ai jamais été trop fan de Spielberg non plus, donc... Ouais, je sais, c'est controversé. Avant tout ça, le Nouvel Éden était une secte dirigée par Joseph Seed. Attends, déjà, d'une, t'es qui? Et le deux, pourquoi tu parles? Si vous vous approchez de son territoire, faites attention. Ce sera forcément bizarre et sûrement dangereux. Ferme ta gueule. Ok. J'ai envie de remater Indiana Jones. Moi aussi, par contre. J'avoue. Bon, les 200 mètres, on croise et on va voir le père original. Mamie, j'espère que t'es à côté de moi parce que ça va chier des bulles. Quelque chose de correct. J'espère que t'es chaude, mamie. Mamie, j'espère que t'as mis ta plus belle gaine. Je crois que le moteur, il est mort, mamie. Je crois que j'ai noyé le moteur. Mamie? Attends. Je crois que j'ai niqué la bagnole. Je suis une sorcière. Personne peut me tuer. Moi, je suis désolé, mais les sorcières Deus Vult, direct. Elle a dit elle-même, j'ai même pas eu besoin de lui demander, j'ai même pas eu besoin de lui brûler les doigts de pied pour qu'elle avoue que c'est une putain de sorcière. C'est bon, je t'ai expié, c'est bon, j'ai expié ses péchés. Comment on dit? Expurgé? Expié? Non, si, expi. Exépi? Non, je sais plus. Donc il a encore un petit camp de survivants quand même. Il trouve toujours un moyen de se faire des potes, hein. Expier, oui c'est ça, expier les péchés, ouais. Expier, t'es bon. Ok, merci. Ah. Ok, je vois. Je vois le délire. Entends-tu? Wouah, il se TP maintenant. Mec! Ah, il a chopé les pouvoirs de Faith! Va là où tout s'est terminé. Et où tout a commencé. Ah, ok, d'accord, ton église. Ok. La vache, c'est vénère comme truc! C'est par où? Pourquoi il m'a mis en bateau? Je peux y aller en bateau jusque là-bas? Bah, même pas en fait, si. Ah, si! Ouais, si, ok. Mon gars, j'ai l'impression que Joseph, ouais, il a pris tous les pouvoirs de ses enfants, tu sais. Enfin, de ses frères. Non, ses enfants, je crois, d'ailleurs. Enfin, ses enfants, entre guillemets. The pain! The pain! Bah, c'est impec, regarde. Il y a un petit côté Waterworld. Hein, je vous rappelle que le jeu a des références Waterworld. What? Bah, c'est pas ici? Oh, la vache! Oh, le truc de zouf! Je pensais pas que j'aurais eu de la nostalgie pour Far Cry 5, putain. Et bah nous y voilà, on est dans l'église où tout a commencé, mais du coup il m'a menti tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, on va se casser. Ta gueule, mamie. Pas le moment. T'as oublié, mamie? Mamie! Je vais vous en coller un dans le pif d'oiseau venimeux! Rejoignez l'île. Ah oui, la toute première île, d'accord, ok. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un peu touchy comme truc, hein. On n'a pas commencé là-bas, mais je veux pas contredire nos overlords guillemots, parce que sinon ça va partir en couille. Mais c'est joli, je trouve quand même que l'environnement est super joli, hein. Y a pas à caguer, bon ça c'est dégueulasse là-bas, mais... J'adore l'actrice qui joue la mamie de Perceval, en vrai. Ouais, carrément. Je suis d'accord. Oula, wow. L'île est en train de se désintégrer, qu'est-ce que c'est que ce délire là? I don't feel so good. Joseph San. Prends pas de risque, bichon. Waouh. Waouh. Le père. Putain, mon clavier il s'est transformé en bleu. L'inframonde, ça y est, on va rencontrer Rupert. Voilà des années, j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit qu'un chemin difficile nous attendait. Tu sais ce que ça me rappelle là, mon gars? Ça me rappelle Apocalypse Now.
La musique, l'ambiance, le gars, l'ancien guerrier qui s'est reconverti en... Enfin... Il y a un gros côté... Ouais, ouais, même avec ça, le gars dans Apocalypse Now, il y a un mec qui a des fumigènes couleur violet comme ça. Ouais, ça fait Apocalypse Now. Si on le croise dans une caverne et qu'il nous parle avec le visage à moitié dans l'ombre, c'est une grosse, grosse référence. Tu vas rencontrer Kurt. Grave. La vérité. Pardon, hein. Je te tue tes bestioles, mon car camarade, mais... Ouais, référence à Oblivion. Bon, elle est un peu plus galère. Oh. Joseph, c'est toi? Oh, un sac à patates. Super, des détonateurs. Ça va, Joseph? T'es mon copain. Oh. Bah, Joseph. Oh. Les péchés du monde. Waouh. Par les flammes du Seigneur. Non, sortir la molette. Oh. Seuls ceux qui ont compris les signes ont été épargnés. Oh, c'est super stylé. Attends, faut aller là-bas, non? Blablabla. Et dans les sons. Attends. Je suis sûr qu'il faut aller là. Le nouvel Éden. Non, peut-être pas du tout, remarque. Ah si? Ah si, c'est peut-être. Non, c'est pas là. On a dit c'est pas là. Oui, Joseph, j'ai l'air d'un con, je sais. Mais non, mais m'explique pas, Joseph, je savais. Tout ce qui n'est pas nécessaire. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Nani? Nani Deska? Non, peut-être que c'est juste comme ça, remarque. Oui, si, c'est juste comme ça en fait. Non, si, je pense que j'ai raison, c'est là-bas qu'il faut aller. Ouais, j'y étais en fait, je suis juste con. Voilà! Aïe! Ah, yeah, ouais, faut tirer dans les vignes peut-être, ouais. Comme le monde a été purifié. Merde, un peu loin. À peu près. Oh là là! Waouh, c'est bon. Yes! Oh là là! La flamme de l'Éden brûle un péché qui pourrait s'imposer à nouveau. Oh! Pardon! Je lui ai défoncé sa mouille, ça m'a fait rire. Bon, bref. T'as warpé. Ouais, en plus, il y a eu des vrais bruits. Il y a des bruits de dubstep en fait. Le jeu m'a dubstep dans la gueule. C'est quoi? Ah, des petits trucs. J'aimerais bien défoncer un colibri à main nue. On dirait. Taper un colibri à main nue, ça me rappelle une. ce serait une épreuve de Karate Kid, quoi, tu vois. Chier. Ok, voyons voir. C'est un putain de voyage initiatique, je l'aurais mérité, mon... Oh. Passer mon temps à défoncer les cerfs, mon gars. C'est le symbole d'Arthur Morgan, mais je m'en bats les couilles. Hein. Est-ce que tu penses que je peux faire du rappel sur un fil invisible? C'est comme l'homme invisible, mais en forme de fil. Hey, mon copain pilote. Non, c'est bon. Ah, c'était une petite référence à ton Paras Infernal, tu vois. Ah... Ok. Alors... Ouais, là. Heureusement qu'ils m'ont mis ça parce que je suis un gros trou du cul. Tiens, ta gueule. Tiens. Je suis un vandale, moi. Tiens, ta gueule. Voilà. Alors. Ils ont tout brisé en morceaux. Blip. Comme ça. Blip. Comme ça. Nous avons tenu bon. Comme ça. Allez. Yes. Bim, Macron démission. What? Nous seuls sommes assez forts pour vivre dans ce nouveau monde que Dieu nous a donné. Oh, t'es super stylé. Mais par contre, j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment vieilli. Je sais pas si c'est l'ancien modèle qu'ils ont utilisé pour ça, mais j'ai l'impression qu'il a pas vieilli du tout. Par notre nouvelle Éden. Non, mais de toute façon, je vais juste te foutre une décharge de calibre 12 dans le nez, donc c'est pas la peine de me faire toutes tes diatribes de cultiste là. Tu me niqueras pas avec ça, tentatrice. Pour comprendre le monde, nique des planches. Quête initiatique, t'es next gen. J'avoue, hein. Il y a un petit côté throwback, tu vois, mais ça se trouve, c'est voulu, hein. J'irai pas jusqu'à dire que c'est pas voulu et que les mecs ont pas de talent. Mais à mon avis, c'est voulu. Allez, ramasse tout, ça c'est bien. Putain, t'as qu'à pas chercher la... Il a été très surpris, j'ai l'impression, l'animal. De ma cartouche dans la gueule. File-moi ton petit bout. Alors. Le vent du ah.
of changing. Ouais, yes. Là. Comme ça. Ça m'a l'air bizarre. Non, il manque un bout. Il manque un. C'est quoi ça? C'est quoi? Oh là là, du puzzle. Je crois que c'est encore un. Parce qu'il manquait ça. Voilà. C'est plus ou moins Resident Evil 4, quoi. Hop. Et normalement, je suis bon, là. Voilà, comme ça. Blip. Voilà. 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 Regarde. Joseph, s'il te plaît. Et le présent. Joseph. S'aligne avec le cercle du temps. Ta gueule, Joseph, c'est la. Voilà. Joseph. Voilà. Joseph, c'est la merde. Je suis pas là, je suis pas bon là. Joseph. Bah. Derrière encore. Attends, je me galère avec mes touches. Aïe aïe. Durée de vie. Chaque fragment doit être. C'est ça. Ah d'accord. Jusqu'au. Bon bah c'est bon. Notre ancienne. Heureusement que t'es pas myope, enfin limite hein. À la ruine. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton arc, espèce de fou, va. Bon. Ouais, merci pour le soutien, les mecs, bravo hein. Je me sens pas vraiment validé dans ma vie, moi. Est-ce que tu comprends? Je vais pas envie d'être, de faire le mec irrespectueux hein. Mais depuis le début, j'ai pas trop écouté ce que tu disais. Purifier le monde. Ah merci de me faire un petit rappel. Mais il est toujours là. C'est pas les dieux, c'est les Russes en l'occurrence hein. Ou alors si tu parles de dieu, tu parles de Poutine, mais bon, le message politique, il est beaucoup moins clair quoi. Est-ce qu'en gros t'es en train de me dire que t'as foiré? Est-ce que t'as tenté un truc mais finalement c'est parti en cacahuète hein? Je suis sûr il est grave déçu en vrai. Dieu m'avait annoncé l'effondrement. J'ai réuni ma famille pour nous y préparer. Ouais mais pourquoi? Pourquoi t'as été obligé de foutre des drogues dedans aussi? Suivi le cheval blanc. Celui qui aïe aïe aïe. Je vois plus rien. Wow, la vache. L'explosion atomique. Oh, ah, ça fait mal. Pas très bon pour la santé. Est-ce que je peux trouver ça? Rodriguez, père et fils. Nous sommes techniciens du cinéma depuis... Attends, je cherche le moment où ils font une explosion nucléaire. Putain, attends, y a pas, merde. Ah si, c'est ça, je crois. Bonjour. Attends. Écoute. Et encore plus fort, explosion nucléaire. Qu'est-ce que c'est? Très dangereux pour la santé. Ça fait mal. C'est très dangereux pour la santé. Oh, ça fait mal. Ok, allez, il a encore son petit bunker. Hein. T'arrêtes pas avec ça, hein. Oh, Joseph. T'es un sacré petit briscard. C'est dans quoi déjà? C'est les petites annonces d'Eli. L'explosion nucléaire. Je l'ai pardonné. Ah, oui, c'est pas très bon pour la santé. Ok, encore un nouveau but. Tu t'arrêtes jamais, hein. En vrai, si Dieu il avait purifié tout le monde, tu ferais quoi maintenant? Tu serais en train de pointer à la NPE, quoi. Eh hey, mais attends, le bunker c'est celui qu'on avait au début, non? Enfin au début du 5. Oh, il est là. Bonjour. T'as pas changé par contre, j'espère qu'il a changé pour de vrai. Et il a encore son petit torche-cul et tout hein. Il m'a dit que ton âme serait digne. On se casse? Attends, il y a des trucs là. J'arrive pas à penser, j'ai trop faim, il faut qu'on remonte à la surface, mais j'ai trop peur, je crois que j'ai fait ce qu'il fallait. Je vais faire les choses bien maintenant. Il me dit qu'il me pardonne, mais moi je ne peux pas, je sais pas ce que j'ai fait pour qu'il fallait. Tu comprends, et lui, tout ce qu'il donne, c'est la bonne parole. J'aime pas trop le dernier album de Metallica. J'ai survécu et ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi, et aujourd'hui je me délègue de l'amour inconditionnel du Seigneur, protégé par la camaraderie sereine de ma famille, de vous, et je sais... Non, ok.
La culpabilité ronge l'officier. J'ai pensé à l'éliminer par compassion, mais je préfère lui faire comprendre mon pardon. Et quand il aura compris, il sortira de lui-même mort de faim, et je lui dirai qu'il est désormais Dieu a un projet pour lui, et moi aussi. D'accord. Mais c'est vrai qu'à la fin de Far Cry 5, l'officier et Joseph, du coup, étaient ensemble dans le même truc. Avons-nous utilisé nos mains pour faire le bien? Les avons-nous tendues en signe de paix? Avons-nous mis un terme à la famine, la pauvreté, la maladie? Non. Nous avons pris ce qui était exquis et l'avons gâché en quête de banalité. Nos vies si brefs, c'est cool, vides de sens, j'ai acheté un jeu 50 balles quand même. Donc Far Cry, tu vas niquer ta mère. Nous faisons la guerre alors que nous pourrions nous soutenir les uns les autres, réconforter nos frères et sœurs, construire une société capable de nourrir chaque corps et d'élever chaque âme. Ok? Tu le sais mieux que quiconque, Dieu te le dit, si je t'écoute, tu fais ce qui est juste, bah les couilles. L'officier était Joseph depuis le début, mais non. Le mec, c'est toi qui écris toutes les fan théories sur internet, là, genre Titeuf, il est dans le coma ou je sais pas quoi, là. Après des jours entiers de jeûne et de prière, j'ai de nouveau entendu la voix et j'ai vu ce qui nous attend et le visage de la personne qui guidera Eden quand je ne serai plus là. C'est un visage inconnu, il ne me ressemblait pas, ce n'est donc pas mon enfant biologique, mais ce sera mon enfant comme le sont tous les enfants. Je laisserai ma parole ici quand je partirai, nanana. Ok. Au-delà des murs. Oh là là, c'est bon, là, ça va finir, ouais. C'est pas bientôt fini, ce bordel! Ça brillait, ça, non? Ah non, d'accord, je crois que c'est un truc à ramasser, mais c'est juste un bout de cheminée. Ok. Non, c'est pas... Je suis désolé, c'est pas Titeuf. C'est une théorie qui dit que dans Calvin et Hobbes, Calvin est dans le coma. C'est une des plus connues, d'ailleurs, des fans théories de merde. Ou genre Sacha, il est mort. Mamie, t'es en train de tout péter, putain! Ou genre Sacha, il est mort, ou je sais pas quoi. Voilà... Ça me pique de ouf. C'est bon? Mamie, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était ouf. Eh ben, c'était bien. Hein. Mamie? Je suis fou, mamie, tu cherches champignons? Ok. Bon, bah, ça nous a pas dit beaucoup. Mais là, t'en as loupé un debout de l'or, je crois. En gros, ça dit, donnez-moi un masque. Ah, d'accord. Tiens. L'officier et Joseph étaient coincés dans le même bunker pendant 12 ans, je crois, du coup. Et l'officier dit à un moment, donnez-moi un masque. Et on a été accueillis par un mec avec un masque. Des hooligans, carrément. C'est quoi qui me voit, là? Ah, c'est les gars. Oh la vache! Attends, mamie, c'est la merde! Oulala. Fire in the hole. Voilà! Exécution! Ok, c'est bon. Aïe! Merci, mamie! Oh putain! Heureusement que mamie, c'est une destructrice! Tiens, ta mère! Et j'ai ma mamie avec. Putain, la vache, mamie! Faut te calmer! Changement de compétence? Elle a gagné un truc? Groupe? Ah, et maintenant, elle peut voir à travers la fumée! Bah écoute, c'est bien, elle a tué 15 personnes, mamie! Elle est toujours pas autant aussi utile que l'autre, là! Vu que l'autre, elle en a buté 18, mais c'est pas mal déjà! Bon, et bah écoute, on a eu un petit voyage initiatique qui nous a dit que Joseph est toujours là et qu'il a passé 12 ans dans son bunker à la con à ruminer ses pensées toxiques de mâle 6 genre. Non, je déconne. Mais oula! J'ai fait un truc! J'ai fait un truc qui était pas censé se passer comme ça. Est-ce que j'ai pété le bateau que je devais prendre? Non, c'est bon. C'est bon! Ok. Bon, et ben ça c'est fait. Que nous reste-t-il de nos amours? Journal. Aucune mission. D'accord. Et ben on va retourner à la maison, hein. Si on a aucune mission, ni rien. Est-ce qu'on a un petit avant-poste là qui serait. C'est quoi? Regarde, on a ça. On a un petit trésor là. On va aller chercher un trésor. Ça va, il a pas parlé du hijab de sport qui a fait exploser Twitter. Ah oui, c'est pas Decathlon, non, qui propose des hijabs de sport, non, c'est ça? J'ai vu vite fait tout à l'heure. Ah la vache, comme j'ai soif. Oh. Ah non, mais j'ai pas de canne à pêche, je crois, si. Ah, oh, merde, je crois que j'ai pas pris de canne à pêche. Oh, vas-y. Faut que je fasse un défi pour gagner, pour me débloquer une canne à pêche. Eh non, tu l'avances ta caisse, connard! Tiens. Ah, c'est une femme. Oh!
Pourquoi ton bateau il est pas palpable? Oula. Eh bé. Elle. Oh! Elle était pleine de plomb ou quoi? Qu'est-ce que. Ah, c'est con, hein! T'as mal choisi ton terrain, poteau! Mamie! Déconne pas, mamie! Mamie! Déconne pas! Attends. Je suis pas sûr que cette bestiole soit propre! Qu'est-ce que tu fous, mamie? Ah, c'est pas un pipou, c'est un harnais! Non, c'est un. Comment. Un puma! Un gagouar! Non, c'est pas un gagouar, c'est un puma, non? Wow. Allez, bisous, mamie! Nage! Ramasse des poissons tant que tu y es! Est-ce que tu crois que je peux me prendre ces trucs qui pendouillent là? Bip. Non, c'est bon. J'entends des bruits, mais. Ah, c'est les bruits du vent, je crois. Ok. Alors, on va se faire un petit trésor et ensuite on essaiera de retourner à Prosperity, c'est ça le nom? Ouais, Prosperity, je crois. Et hop! Garé! Ah la vache! Oh la merde! Ok. Bon, bref, j'ai loupé. C'est pas grave. C'est qui ça? Non, c'est bon, c'est des copains. L'autre, il a explosé dans sa fumigène là. Là, j'ai cru que je voyais encore, mais non. Alors, le pont n'était pas assez solide pour supporter le train. Jérôme a failli laisser la vie. Et on a perdu l'équivalent d'un an de provision. J'ai peur qu'on ne puisse. Ah non, mais Jérôme, c'est le Renoir. J'ai peur qu'on ne soit pas. Qu'on puisse pas construire Prosperity sans une aide extérieure malgré tout. Si l'opportunité se présente, il faudra que quelqu'un descende avec un grappin pour récupérer tout ce qui est possible de récupérer. Autant tirer le meilleur de la situation, Grace. Ok. Ah, c'est toi, Jérôme, Romtou? D'accord. Je vais me défoncer, elle a dit. Chasse au trésor, les meilleurs plans. Voilà. Ta gueule, mamie. Mais qu'est-ce que c'est, mamie? Voilà. Par contre, pourquoi ils m'ont fait rentrer là-dedans? Je prends pas l'implication, là. Ah. Ok. Oui, il faut monter, quoi. Y'a un grappin dans le coin. Ah oui, y'a un grappin là-bas. Et ben, allez, bon, regarde. Ah! Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Est-ce qu'on peut lancer un grappin quand on est... Non, mais là, c'est peut-être un peu trop haut. Ah, celui-là, je pense qu'on peut. Le chanteur de Tolk Tolk est mort. Oui, mais j'ai vu ça tout à l'heure, mais je sais pas trop qui c'est. Enfin, ça m'a pas... Je me suis pas... Ça m'a rien rappelé comme nom, donc c'est vrai que ça m'a pas trop affecté. Tolk Tolk, je sais pas qui c'est. Est-ce que tu crois que je peux l'avoir, lui? Chut. Oh! Ah non, c'était Wingsuit, merde. J'ai cru que je pouvais, mais non. Eh mais attends, ce pont là! Ouais! Vous souvenez, je m'étais fait piquer mon hélicoptère par là-bas là, il fallait que je m'accroche dessus. Attends, va falloir refaire du coup, je pense qu'il faut le faire depuis le début. Il y avait une de ces chansons dans GTA Vice City. Ah, ça c'est triste par contre. Mamie! Yes! Oh! J'adore! Faut que j'y recharge! Bon. On va essayer de monter sur ce putain de pont là, je sais pas trop comment... Tiens, en passant, si tu sautes en wingsuit, mamie le fait aussi, à mon avis, non. À mon avis, mamie n'a pas les rudiments de wingsuit, mais... Elle me fait rentrer là, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est moi qui suis allé trop vite comme un gros benet, en fait. Et pourquoi on doit rentrer ici? Je comprends pas, regarde un peu aux minutes, quoi. Voilà, putain. Ça m'énerve, les gens qui regardent pas où ils vont, là. Ah. En plus, tu sais, j'étais en train de mater un bout de stream d'un mec que je suis récemment. Et j'étais en train de me dire, putain, ça m'insupporte, genre, il regarde trop pas où il va, quoi. Genre, il est trop con. Genre, je joue grave mieux que lui, quoi. Mais en fait non, on est tous le connard de quelqu'un, quelque part. Hein. Pasteur Jérôme, j'entends le plus parler de... Ouais, super, Prosperity. Super. Génial. Est-ce que tu penses que je peux aller en wingsuit? Non, je vais arrêter de faire mon con avec la wingsuit, parce qu'à un moment, ça va vraiment finir par nous péter la gueule. Ah, je peux? Grappino? Yes! Je vais cogner dans les roustons! Ami, tire! Aou! Aïe! C'est. Wow! Ah ouais! Oh putain, mamie! Oh la vache! Elle habitait le poisson ou pas?
Putain, elle est vénère contre la faune encore pire que moi, quoi. Ok. Ah grappin, 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 grappin. C'était peut-être un peu trop, c'était beaucoup trop pour moi, quoi. C'était beaucoup trop pour moi, je suis pas assez extrême pour ça, je pense. Chat. C'est quoi cette truite nucléaire? Eh bah, tu le dis, c'est littéralement une truite nucléaire, je crois, en fait, hein. Ah, ok. Ok. En vrai, c'est la famille de Simo Aea, cette mamie. Ouais, certainement, ouais. Elle doit avoir un petit... des grands-parents finlandais, tu vois. Vider la cage. On y est déjà? Vider la cage. Je prends une maman chat. Je la mets dans la cage. Je prends ses petits. Et je le presse. Ok. T'as réussi à me donner le vertige. Emporte-moi, toi, emporte-moi. Voltis-toi. Ok, let's go. Le temps passe très très vite quand on joue à ce jeu-là. J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir streamé depuis longtemps. J'ai encore gagné des crédits Far Cry. À chaque fois que je vois crédit Far Cry, ça me fait vraiment rire. Qu'est-ce que j'ai débloqué d'ailleurs en rab, là? Est-ce que tu penses que je peux prendre un truc? Je crois que... Putain, c'est sans... Attendez, bougez pas les gars, je reviens. Les vrais gamers n'utilisent pas de points Ubisoft Russienne, souviens-toi de la leçon de Rex. Eh oui. Mais... Quand même, mec. Hein. Quand même, mec. Hein. Franchement, c'est la Lycra. Russienne qui laisse en silence, c'est pas normal. Ouais, je sais. Franchement, les mecs. Franchement. Franchement. Ouais, non, mais ouais. Non, mais grave. Non, mais j'avais pas le choix. Mais je crois... Je sais pas si... Ah merde, il y a les gants aussi. Putain, mais oui, mais du coup, je vais avoir l'air d'un gros boulos. Un boulos, comment on dit? Ok. Ça, d'accord, mais du coup, je vais avoir l'air d'un con, en fait. Ouais, bah... Ouais, en fait, c'est bidon. En fait, c'est complètement bidon. Le mec, il s'est foutu une, comment on dit, une vieille prothèse Renoir. Bon, ouais, c'est pas une réussite, mais qu'est-ce qu'on peut mettre pour rattraper un peu le bordel? Ouais. Je me suis fait niquer. Franchement, tu sais quoi? Tu sais ce que c'est, ça? C'est la fierté. C'est la vanité d'un homme. Max Payne a changé. Ouais. T'es Robocop, t'as encore ta main. Mais oui, en fait, du coup, quand je fais ça, ça se voit pas vraiment. T'as fait ta connerie, assume. Non, ça vient du jeu, ça vient de Guillemot. Putain, on peut même pas voir la main, quoi. Est-ce que je peux... On voit vite fait la main, mais... Ouais, c'est dommage. Tant pis, hein, mais c'est ma faute. Mamie. Ah, non, c'est bon. Ok. Putain, mais je me suis fait péta 175 crédits, mon gars, là. Là, c'est toute ma faute, là. Vas-y, il me fait chier, ce saumon, là. Mamie, oh, on l'a eu. La voix du seum dans la gorge, ouais, j'étais trop hype. Mec, j'étais beaucoup trop hype pour ce que c'était, en fait, c'est pour ça. Ok. Hop. Poisson démon, d'accord, ok, je vois. Je vois le principe. Bonne nuit, Xuxu. Bonne nuit, man. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va foutre? Je voulais me téléporter, justement, à... Voilà. Parce que du coup, on a même pas de mission, là. On a que dalle. Il nous reste que dalle. J'espère que j'ai pas fait péter un truc, genre...
un script ou quoi. On sait bien que les Far Cry sont des jeux très solides. Merci. Solides, liquides, moelleux. Putain, même. Elle m'a fait peur, m'a mis à courir. Elle a failli se péter un truc. Non, j'ai pas de mission. Faut retourner chez Joseph. Encore ? Ah oui. Ah ouais. Oh non, putain, faut que je refasse... ouais. Oh putain, faut que je refasse tout. Est-ce que je peux au moins choper, tu vois, un hélicoptère niveau 2 ? Attends. Please. Ah ben non. Bah non. Ouais, mais conduite auto, au bout d'un moment, tu sais... Oh, fais chier. Bon, bah écoutez, les gars. Ça va partir sur 5 minutes de conduite auto, hein. Vas-y. Avec leur vieux buggy de merde. Limite, regarde. Conduite auto. Bravo, on va jouer Africa. On va jouer Africa pendant tout... Ok. Bah on va jouer Africa pendant tout le truc. Conduite auto. Road trip en ancienne avec mamie. Mais oui, mais justement, mamie... Allez, monte, mamie. Pourquoi... J'aimerais bien faire une marche arrière. Mamie. Et monte, mamie. Non, mamie. 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 J'aime pas l'avoir douté comme ça. Ah mais du coup elle a deux barres de vie maintenant. Ok, je suis prête pour une balade. Elle va vraiment pas bien mamie hein. Va vraiment falloir qu'on consulte quelqu'un hein. Elle devient gâteuse. Ah mais non je, putain j'aurais bien voulu foutre Toto. Attends. Pour la conduite auto, regarde. Oh putain. Ouh. Elle est, je pense que je l'ai impressionné là. Je pense qu'elle est définitivement impressionnée. Je pense qu'elle est définitivement amoureuse de moi là. Qu'est-ce qui se passe? Non mais définitivement qu'est-ce qui se passe quoi? Putain encore 3 km quoi.
Hey, ta gueule, Toto. Ta gueule, Toto. On va faire la conduite Toto, mais sans Toto. Ok, un taureau, magique. Elle est super cool, la track. Ouais, c'est une vieille cover midi pourrave, mais ouais. Je me fais attaquer, je pense, par tout, en fait, tout le pays, j'ai l'impression. Mais heureusement que mamie est là, mec. Hein. Merci, Kenley. Et là, on crache plus sur le fast travel. Merci beaucoup pour le sub, man. Mais oui, mais en fait, il y en a du fast travel, mais je l'ai pas débloqué là, donc bah, nique ma race, quoi. Wesh, l'original. L'original, peut-être. Attends, mais j'ai. D'ailleurs, j'ai même pas. Ah non, j'ai même pas un petit fast travel tranquille, hein. Non, expédition niveau 2 requise pour déplacement rapide. Ah ouais. Ah non, je peux vraiment rien faire en fait. D'accord. Bon bah tant pis. C'est pas grave, je vais commencer à draguer mamie, c'est pas grave, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez créé des dinosaures. On est suivi encore? Non, c'est bon. Mamie, tire. Mamie. Putain, c'est dommage qu'on puisse pas foutre un vrai Deagle à la mamie, quoi. Ou un Magnum, un Tromblon, un truc comme ça, tu sais, comme Mad Dalton. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais t'éclater comme une verrue. C'est dégueulasse, mamie. Tu te rends pas compte? Il y a des enfants qui nous regardent, mamie. Attends, c'est la merde, mamie. Mamie, c'est la merde. Ah vache, moi. Oh là là. Oh, nique ta race. Sinon, tu peux faire des missions avec les autres spécialistes pour peut-être gagner de l'éthanol pour améliorer le truc niveau 2. À moins que ça soit bloqué, ça aussi. Les missions. Ah, pour débloquer les autres spécialistes, tu veux dire? Ouais, mais. Oui, je pourrais. Bah écoute, ce que je fais? Je fais cette mission-là. Et ensuite, on va essayer de débloquer l'autre là, le gros cul là. Il est où? Lui. Sharky Bowshaw. Je sais même plus qui c'est, Sharky Bowshaw. Ah, attends, c'est pas le mec qui a un lance-flamme? Je crois que c'est lui. Ah non, améliorer l'expédition niveau 2 pour le fast travel surtout. Mais ce que je comprends pas, c'est que j'en ai du fast travel, mais que vers les ouais, vers les bases en fait, quoi. Attends, ça coûte combien? Attends. Chut. Putain. Mon compteur a claqué, ça m'a fait peur. Ah oui, c'est 125. Débloque le déplacement rapide vers les lieux découverts. Ah oui, c'est pété quand même. Ah, c'est pas mal. Ouais, bon, on fera ça après. On fera ça après. Pour l'instant, voilà, on a plus grand chemin. Comment on dit? On a plus grand. Je l'ai entendu, j'ai cru que c'était le mien. Et on partage tout ici, mec. Même les heures creuses. Ça. Ok, non, il est con, c'est moi les cons. Ok, 1,5 km. Putain, c'est chiant. Je sais, à mon avis, il s'attendait à ce qu'on le fasse un peu plus tard, la mission là. Donc, qu'on ait débloqué des trucs et tout. Mais vu qu'on est des très gros cons, c'est vrai qu'on l'a fait un peu tôt. Et qu'on doit traverser la moitié du pays. Avec mamie qui visite. mamie qui prend ses petites photos pour son petit Instagram. Le confort le plus total. Ta gueule, mamie. Personne ne te trouve intéressante, mamie. T'es juste là pour la touche charme. Je sors grand-mère cet après-midi. À coup de calibre 12. Bon, du coup, ouais, on voit bien mes mains payer 175 balles, mais. Bah c'est pas super impressionnant, quoi. Je suis dégoûté. En vrai, cette histoire de main, ça m'a dégoûté, là. J'avais oublié qu'il y avait les gants, putain. Il me faut, c'est quoi, 75 avec les doigts noirs? Mais ça, au pire, c'est pas grave, tu vois. C'est un Rex Power Colt d'une autre race, c'est pas grave, tu vois. Mais. Non, ça c'est un ravageur. Ah ouais, putain, c'est 175. Putain. Et les futales, c'est combien? Il y a un futal au moins?
Ouais, il y a Vital aussi, bah oui, forcément. 175 aussi, oh là là, mais on peut du coup les débloquer. C'est ça que j'ai oublié, on peut les débloquer. Une fois que vous libérez le point d'eau. Y a pas une coiffure, Explorer Colt? Ah non, mais si, il y a les yeux. Il y a les yeux en plus, mec. Le point d'eau, c'est où le point d'eau? Raffinerie, garage clandestin, forge brisée. À mon avis, on le verra plus tard, du coup, ça. Le point d'eau, faut bien qu'on retienne. Ça, mon gars, je vais le chlasser. Et on va se retrouver avec un double Rex Power Colt, mon gars, sur deux streams d'affilée. La méga forge va gagner plus 7000 en testostérone. Déjà que bon, grâce à SCAD, on en a trop, on sait même pas quoi en foutre. En fait, à chaque fois que tu t'approches, la voiture, elle pète, j'ai l'impression. Non? Ou c'est Nana qui fout la merde? Qu'est-ce que c'est moche, ce truc, putain. Qu'est-ce que c'est dégueulasse, quoi. Black Hogan, c'est le fils de Rex et de Spider. Oh là là, ça commence. Oh là là, ça commence. Les vieux chips. Bah, c'est la flotte. Bah oui, mais je passe. Donc, je sais pas, non? Je sais pas. Je me demande bien qui c'est. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, il est quand même stylé, hein. Il est quand même classe. Non, mais j'avoue, le hibou dans Batman. Ouais, dis pas ça parce que Spider, il va se chier dessus, hein. C'est quoi? Ouais, prépare un sacrement juste au cas où. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ok. C'est Robin des Bois dans Shrek. Oh, compagnon! Oh la vache. Ok, c'est à Saint-Jean et tout, ça crame des trucs. À l'ancienne, quoi. Putain, je croyais que t'étais en train d'abattre ce mouton. Oulala, oulala, oulala. C'est bon, je me rapproche, c'est bon. Oula, waouh. Quelque part dans The Witcher. Ok, donc il s'est refait quand même une petite église à l'aide de brindilles et de caca, mais on voit vraiment pas quitter, hein. Ah, ils montreront rien, hein. On est d'accord. Ouais. J'étais à l'œil, ouais. Toi, mon gars, tu vas être cosplayé par des milliers de connards, toi. Je le sens venir direct. Alors. Impressionne-moi. Attends, bouge pas, voilà. Genre, même après une guerre nucléaire, le mec il se refait pas comme ça. C'est qui ça? Mais peut-être te dis-tu la même chose. C'est qui ce NPC de merde là? Si tu es venu parler à mon vieux père, bien. As-tu trouvé le livre? Sais-tu ce que tu m'apportes? La parole de Joseph. C'est mais il a encore eu un fils, mais qu'est-ce que c'est que ce délire là? Et sa démence. Il s'arrête pas le mec. J'ai cherché partout. Il ensemence, hein. Joseph disait que celui qui le trouverait serait choisi par Dieu pour régner pleinement sur l'Éden. Il y a plus de capote dans ce monde. Et c'est toi qui viens pour nous le rapporter. Ça aurait dû être moi. C'est vers moi. Oh là là. Il va nous faire un prince charmant lui. C'est moi qui empêche cette famille d'éclater. Il me paiera le jour où il m'a volé mon royaume à moi. Il les protège des cafards et des serpents. Je nous maintiens tous en vie à l'abri de ces murs. Pas mon père, moi. Oh, pauvre bichon. Mon père voulait bâtir un paradis, mais au premier problème, il s'est enfui. Mais déjà, tu vas te calmer. Et ensuite, tu vas fermer ta gueule. Un menu médiéval avec le joueur. Quel doublage. Acteur studio, ouais. Joue la colère. Est mort. Quoi? Personne n'a envie de l'admettre, mais c'est la vérité. Il est pas mort. Notre famille croit encore en lui et il y a peu de chances que cela change un jour. À moins qu'elle comprenne qu'il n'était pas vraiment un messie. Qu'il n'était qu'un homme. Faut que je trouve des preuves qu'il faisait caca. Y'a rien de mieux pour décrédibiliser quelqu'un. Tu dois m'aider.
Ramène-leur une preuve de sa mort. Ok. Ton groupe. C'est une voix chez RMC. Mais pour que ma famille te laisse voyager au nord, prouve d'abord ta valeur. Allume la flamme de l'Éden. Oh là 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 là. Calmez-vous. Non, calme-toi sur les rites de sang là. Je suis pas. Non. J'en connais cette marque. Ils te mèneront à la flamme. Oh là là là. Attends, j'ai dit oui à rien du tout, moi. On va se calmer, hein. Ok, il m'a foutu son sang plein de sida sur le visage. Ethan, bon PD en plus. T'es surtout en train de me juger, laisse tomber quoi. Je peux vous défoncer un mouton? Oh. Une poule, un truc qui sert à rien. J'espère que tu es la réponse. Il t'a mis du guet sur ton front. Bouge pas, officier. Je vais t'étaler un peu de guet là. Ok. Bon. Qui a dit bonjour? Bonsoir. Ah. C'est la toute beauté. C'est un mec anti-vax. Tu penses qu'ils sont tous anti-vax ici? Bah, à mon avis, ouais. À mon avis, ouais, mais. Je pense qu'ils sont tous anti-vax et genre végétariens en plus, tu vois. En général, l'un ça va avec l'autre. Hein. Boire ou conduire, il faut choisir. Hein. Je suis rentré sans qu'il me voit. Je peux repiquer les carottes? Putain, c'est les plus belles carottes que j'ai vues depuis très longtemps. Regarde ces carottes. Je suis super impressionné. C'est bien au-delà de Final Fantasy XV. Vegan et anti-vax et communiste. Superbe pomme. Waouh. C'est qui? Ethan vous a désigné. Vous souhaitez rallumer la flamme. Super cinématique. Les ravageurs qui ont envahi nos terres l'ont éteinte. Elle se trouve au pied de ce qu'il reste de la statue de Joseph, renversée par un pêcheur il y a bien longtemps. Un pêcheur, hein? Ils vous aideront. Mais le sais-tu, peut-être que le pêcheur est encore parmi vous. Sale communiste. Ouais, attends, file-moi ça, voilà. Ok. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on commence à choper des camps sérieusement et tout, là, hein. Histoire de nous build un peu notre réputation, tu vois ce que je veux dire. Un pêcheur, c'est un mec qui pêche de ouf. Oui, en général, ouais. Je dis jamais non à une balade dans la nature. Mamie, calme-toi. Mamie, il faut que tu te détendes tout de suite, quoi. Faudrait limite qu'on visite un peu, tu vois. Qu'on voit si on peut pas débloquer d'autres avant-postes. Sinon, par rapport au 5, il est bien. Ouais, moi j'aime bien pour l'instant. Ça sent vraiment, vraiment le réchauffer, hein. Mais ça va. Je pense que pour le prix, c'est un peu beaucoup quand même. En fait, il n'y aurait pas eu le 5, j'aurais pas eu de problème. Mais après, juste après le 5, avec de la réutilisation quasiment systématique d'assets et tout, ça fait un peu beaucoup, quoi. Bon, allez, tant pis. On y va sans elle. Et pourquoi t'aiderais des types qui croient encore en Joseph? Bah, je sais pas. C'est ça qui me... C'est un peu chelou, genre tu te fais embrigader direct, le mec il dit oui à tout, enfin... Après, comme son but c'est de retrouver Joseph... Bah non, je sais pas. En vrai, je sais pas. Après, c'est très possible que l'écriture soit de la merde, hein. C'est très possible qu'ils savent pas du tout ce qu'ils font, mais bon. Est-ce que je peux... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que... Tu vois, on doit libérer un coin qui s'appelle le point d'eau. Et j'ai bien envie de penser que c'est ça, le point d'eau. Genre, c'est une grosse plateforme. Excusez-moi, les gars. Je passe. Oh là là, par contre, ouais, je suis sur une île, alors ça va très vite... C'est une très mauvaise idée, en fait, ce que je fais, non? C'est pas grave. On fonce. Y a pas un véhicule, un truc, là? Un bateau, une connerie? Attends, qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi? Ah! C'est pas les photos que j'ai eues? Non, je sais pas. Non, je sais même pas ce que c'est. Ah bah si. Si, c'est ça. Je peux pas me plonger des méchants en ligne de mire. Mamie, putain. Attends. Maintenant. Ce que je voulais faire,
avant tout. Yes. Mon père qui vient me check dans ma chambre, on a super bien réussi la tartiflette. C'est du code, ça, mec. C'est du code, déconne pas. Hein. Répare des véhicules, force les coffres et brûle les ennemis. Ouais, ça, on s'en fout. À mon avis, pour l'instant, on est assez bon niveau... niveau compétences. Tu sais quoi, on va prendre ça aussi. On n'utilise jamais d'armes au corps à corps, mais on sait jamais. Voilà, impeccable. J'aimerais bien un bateau, par contre. Parce qu'aller tout là-bas à la nage, je le sens qu'à moitié, quoi. Ça sent le plan foireux. The book is the key. On dirait les vieux puzzles à la Bioshock Infinite. Allez, go. On va essayer de pas se faire bouffer par des méga truites. Putain, comment elle me crame, mamie. Bah... J'aime pas l'eau. Mais non, mais là ça va, on a mamie Momo. On a mamie Momo. Oula, 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 oula. Aïe, 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 aïe. Oh putain, mamie. Mamie. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oula, oula. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh là là, mamie, elle est dans la merde. Mamie, elle est en train de flotter. Mais c'est pas grave, elle attire des prédateurs. Elle fait diversion, ouais, c'est bon. Oh putain, il y en a plein. Non, c'est bon, c'est des petits, ça. Il. Merde, c'est même pas ça. Aïe, 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 aïe. Attends, 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 attends. Je vais retourner là-bas, je vais raise mamie, on se casse. C'est même pas le bon endroit que je pensais. Aïe, 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 aïe. Oh la vache. Oh la vache. Non, mamie. Mamie, résiste, mamie. 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 Vas-y, vas-y. Prends tes cachets pendant que tu nages à Mac 3. Je suis en train de me faire bouffer par l'infini. Est-ce que je peux fouiller mamie? Mamie a coulé. Est-ce que tu peux me lâcher la bite par contre? Esquive. Ah merde. Je pense que je vais me faire bouffer. Je pense que je vais me faire bouffer la gueule. Je pense qu'il va me bouffer les couilles. Aïe aïe. Aïe aïe. J'ai plus de medikit. Va falloir y aller au talent là. Oh la vache. Donc c'était une très mauvaise idée. Mais au pire, qu'est-ce que ça nous a appris beaucoup de choses. Que mamie nage super vite, que mamie ait fait une super diversion, et que ces gros poissons d'enculés méritent de crever. Et que les poissons, c'est pas de la vraie viande, je vous le rappelle. Ok. Bon, du coup, ça, non. Le point d'eau. Faudrait qu'on cherche un truc qui s'appelle le point d'eau, en fait. Est-ce que c'est ça, tu penses? Est-ce qu'il n'y a pas une petite bagnole dans le coin? Du coup, mamie, elle est crevée. Attends, faut que je reste mamie, bouge pas, bouge pas. Elle est où? Ranimer. Clip. Voilà, j'ai ranimé mamie. Yes. Juste un peu de patience, j'arrive. Ah, sa douce voix m'avait manqué. Alors attends. Non, y a pas. T'es sérieux? Y a pas une seule bagnole là? Non mais je suis con. Ah, c'est pas si près que ça, remarque hein. Est-ce que je peux me TP là? Non. Ouais, je peux me TP nulle part en fait. Bon bah je vais me re-TP là, tant pis. Hein. Si je pouvais réanimer mes grands-parents comme ça, oh là là. Mais c'est extrêmement triste ce que tu dis. Mais dis pas des choses comme ça. Bonjour monsieur. Prospérité serait en ruine. Oh la vache, ça m'a niqué ma soirée quoi. J'ai combien de... Ouais non, j'ai que 93. Bon bah on va y aller à la main. Hein. Ah mais il y a des trucs ici. Ah il y a plein de trucs en fait. Ah non c'est juste un garage, ok. Tu nous as bien... Ouais, lui il connaît tous les trésors du monde. Il était obsédé par l'idée de vivre dans une grotte près de la rivière. Je pense qu'il doit être mort alors qu'il est. Mais ses affaires sont sans doute encore là. Putain, on peut pas les passer tous, fais chier. Tu les retrouves. Elles sont à toi. Ok. Alors. C'est à 3 km le truc. Putain, y'a rien de plus près là. Oh là là, ils font chier à foutre des trucs beaucoup trop loin. 200. Ah, tu sais quoi? Attends, tu sais quoi, mec, j'ai une super idée. Je vais vider ce camp là. C'est qui, Célène? Qu'est-ce qu'elle fait, Célène, dans la vie, elle? Attends, on va libérer Célène. Ensuite, on va libérer ce camp là. Donc, ça va nous faire gagner un petit peu de pétrole. Et on pourra débloquer le fast travel. On fait comme ça? Allez, on fait comme ça. Let's go.
Vendre le butin, j'ai quoi là? Ouh! Ouh! Et on va y aller en moto parce qu'apparemment c'est le véhicule le plus rapide du monde. En plus, il y a mamie alors. Allez, monte, mamie. Viens faire des photos, mamie. Pipip! Pipip! Célène, elle est High on Marie-Jeanne. High on Marie-Jeanne, c'est le nom de mon prochain album d'ailleurs. Après l'or noir 3. Allez, go! Bien parce que mamie a de l'entrain dans tout ce qui est fait. Ça fait du bien, ça fait du baume au cœur en fait. J'ai fait sa mission. Ah! Merci Redson! Ça c'est des gros bisous ça. Non je déconne, c'est pour les PD les bisous. C'est pour les PD les communistes d'ailleurs les bisous. Je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Du coup t'as le droit à une petite gifle amicale. Et un repas chaud. une soupe gratuite. Ok, alors Célène. Faut une émote Buster Monroe. Non, avant ça, je veux une émote Master Shooter. Et ensuite l'émote Buster Monroe. Ça va, mamie ? Il en faut plus que ça pour me faire prendre la poussière. Oula ! Vous êtes complètement con ou quoi ? Un bon risotto cuisiné par Skadur. Là, t'as le droit à un risotto de Skadur. Et une léchouille où tu veux de l'Oltruche. Où tu veux, vraiment où tu veux. Hein. Je te laisse choisir. Vas-y Redson, je te laisse choisir ce que tu veux. Chouette. Regarde-moi, ça fait les gros durs, mais finalement c'est tout, c'est rien. Vous aimez bien les gros câlins entre copains, hein? Hein? Une léchoule ou une pougnette? C'est quoi une pougnette? Oh, mais on est déjà venu ici! Eh, hey, mamie! Putain, mamie, il fait bouclier humain! Go, mamie! C'est la grosse de mer, c'est la grosse de mer. Hop, on va balancer ça au fion. Ok, ça crève. J'ai plus de medikit. Donc va falloir y aller à la vénère. Oh là 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 là. Elle est là, mamie? Mamie est là. Ok. Une pougnette, c'est un gros QTE sur la teubie. Putain. Pourquoi je suis là, moi? En général. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est qui? Attends, faut que j'y mette une caisse. Ok, ok. Le lance-disque est vraiment beaucoup trop bien en fait. Ouais. ok. D'accord. En plus, on peut récupérer les munitions dessus quoi. C'est vraiment le easy gun quoi. Impeccable. Les ravageurs ne s'arrêteront pas, ils s'installeront partout dans la vallée. Et puis tout ce qu'ils croient, ça fait des semaines que je suis pour la chapelle. Nanana. Dans la vallée de Dana quoi. Ok. Je comprends, mais je comprends l'inquiétude. Surtout qu'en plus, Hakim, le fils du forgeron, moi, il est venu me chercher il n'y a pas si longtemps. Il a dit qu'il y aurait un combat quelque part. J'ai pas très bien compris où. C'est quoi, c'est une grosse glacière? Non, c'est de la merde. Ça me saoule par contre qu'on puisse plus se soigner partiellement comme dans Far Cry 3, c'est en se remettant le doigt, etc. Oui. Oh, putain, la vache! Mamie, tue-le, mamie, tue-le. Oh. Oh mec. J'espère que tu ferais pas ça à quelqu'un que tu connais. Je me suis chié dessus, mais heureusement que mamie était là. Hein. Putain, mamie coup de crosse, quoi. Mamie coup de pompe, on l'appelle. Je pense que ce système de heal dans Far Cry, c'est pas stream friendly. Bah... S'il y a tellement de trucs, genre John qui tatoue quelqu'un et qui arrache un bout de peau et démembrement et tout, à mon avis, ils sont pas à ça près. Hein. Mais si, ouais, se remettre le membre et tout, c'était plutôt intelligent, mais je pense que c'est surtout un peu pété. Et comme là-dedans, ils tablent beaucoup sur les skills et tout, de pouvoir avoir plusieurs medikits, etc. Je pense qu'ils veulent permettre, ils veulent pas permettre que ce soit trop facile, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était vraiment pété. C'était vraiment super facile. Dans Far Cry 3, mais laisse tomber.
tu te faisais bourriner par tout le monde, t'avais juste à te refoutre le doigt et c'était bon, et à te cramer des allumettes sur la gueule aussi. Enfin, sur le poignet. Sur la pougnette, comme on dit. Regarde comment il court, regarde comment il court, mamie. Est-ce qu'on peut avoir... Regarde-moi ça, regarde cette couverture d'album, mon gars. Regarde cette couverture d'album de rap. Oh putain. Mamie and the Sundance Kid. Mamie and the Beastie Boy. Ok. Où est-ce qu'elle est cette conne? Tombeau de l'inquisiteur, carrément. Il ferait pas la différence entre leur bite et une fougère. Moi je te... Il ferait pas la différence entre leur bite et une fougère, c'est un vrai dialogue ça? Attends, tu sais quoi, je vais foutre les sous-titres. À moins qu'ils soient déjà là. Sous-titres français, non, bah normalement ils sont là. Sous-titres bruitage. Allez, pourquoi pas? Bah non, pourtant si, il y a les sous-titres. Bon bah tant pis, il ferait pas la différence entre leur bite et une fougère, t'es sûr, mamie? Parce que moi par exemple, je suis pas très physionomiste. Mais bon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est de la merde en fait. Je sais pas pourquoi, pour moi c'était évident, tu vois. C'est parce que quelque part je suis un game dev. Qu'est-ce que... Oh. Ok. J'ai fait exactement la même... Bah oui, mais non, mais c'est logique. Ils ont foutu des débris de la même couleur que les trucs qui nous expliquent, enfin qui nous montrent qu'on peut monter sur des choses. Genre les tyroliennes, les lianes qui sont posées sur les rebords et tout. C'est la même couleur, c'est du bleu. Du coup, bah t'associes la couleur forcément à pouvoir monter. Je sais pas si c'était évident quoi. Mais bon, apparemment, on nique sa race quoi. Ah mais attends, oui. Je vois où on est. Ici, il y a l'ouverture. Oui, d'accord. Ah waouh. Ici, il y a l'ouverture et ici, en fait, avant... Bah non. Attends, je suis où? Si, ouais, il y a eu un genre d'ensevelissement, en fait. Et là-dedans, on peut entrer dans le bunker. D'accord, ok. Ça marche. C'était beaucoup trop réaliste, cette prise de conscience un poil trop tard. Oui, ça a remplacé... La curiosité a été remplacée par la panique très très vite. Ah, nice. Je vais regarder le lance-disque. Parce que le lance-disque Spider, là, la con, avec la toile d'araignée dessus, il est carrément plus efficace, en fait. Hein. Ah, mais c'est tout. Attends, est-ce que... Mais elle est là, quand même. Ah oui, non, mais attends. Oui, je suis bien avant, en fait. Quel con, c'est pas là du tout, c'est plus loin. D'ailleurs, il y a un easter egg dans cette mission, celle de Selene. Ok. Et bon, on va voir. Oui, normalement, il est là, le truc. Non? Attends, mais je suis con ou je suis juste débile? Où est-ce que je suis? Attends, où est-ce que je suis, là? Mais je suis dans le sol? What? De quoi? Ou c'est mamie qui est dans le sol? Non? Ah. Oh. Ah, ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, bah là c'est bon. J'étais dans l'inframonde pendant un moment. Ah. C'est elle, Selene? Il y a beaucoup de choses qui jouent. La physique, la psychologie. Si jamais tu t'es... Hey, j'ai besoin d'aide par ici. T'as un peu de temps? Oh la stoner. Attends, je vais monter. Oh la vache. Oh la stoner. Ok, je l'aime bien. Si. Le même pas mal, il m'a tué. Par contre, les vieilles dreads, c'est dégueulasse, hein. J'ai besoin d'une paire de bras. J'ai déjà les miens, mais... Je peux aller t'en récupérer? Nom de Dieu. Je suis au beau milieu de la pire putain de descente depuis le Big Bang de l'univers. Je descends même pas. J'ai poussé des plantes, tu vois? La weed, mec. Je me baladais avec une trousse de terrain et... je l'ai fait tomber. Ouais, juste au-dessus d'une ouverture dans le sol. Il y a au moins une année entière de mes réserves là-dedans.
Cette trousse m'a sauvé d'au moins 8 maladies et 4 infections, rien que dans les 6 derniers mois. Je peux en faire pousser plus, ok, mais honnêtement... Pourquoi il écoute pas Bob Marley à fond? Parce que je pense que ça aurait été très raciste. Je pourrais jamais survivre. Je tiendrai pas jusqu'à la prochaine récolte. Je tiendrai même pas un mois. Elle a un cristal magique. Avec Adwim et Scad, on est allé à un magasin de cristaux magiques à côté de chez moi. Ça a été une expérience, mec. Il y avait des cristaux boucliers. Il y avait des cartes de divination avec des licornes dessus. Il y avait tout en fait. Il y avait tout ce que tu voulais. Le problème c'est qu'on avait rien pour foutre des runes, donc on en a pas pris. Mais c'était vraiment ouf. On est allé dans un c'était un autre monde quoi. Il y avait un cristal de richesse, je crois. Oui, il y en avait un qui s'appelait littéralement cristal de bouclier. Et avec c'était des noms de pierres qui n'existent pas en fait. Tu vas dans le fond, mais avant d'avancer dans la mission, regarde dans le profond de l'eau, ce sera important. Il y a des petits poissons. Bon bah allez, let's go hein. Ok, bah, y a des trucs déjà. Miam miam. Là ça va vers l'enfer infini. Ah non c'est bon. Il y a un truc mort. Attends. C'est un peu la merde. Je vois pas comment remonter là. Attends. Va falloir trouver un autre chemin. C'est un squelette de... C'est un Blood Dragon, ça? Bah si, mais carrément. C'est un putain de squelette de Blood Dragon, d'accord. Donc... On peut assumer que ça se passe après Blood Dragon. Blood Dragon se passe en 2007. Donc, faites un peu le calcul. Donc les Blood Dragons sont allés jusqu'en Amérique et sont allés jusque dans le Montana. Bah écoute, ça c'est une bonne nouvelle. Tu vois, par exemple. C'est grave stylé. Non, j'avoue, c'est grave stylé. Merci, Spider. Bon alors, on en est... Oh là là. C'est Fallout 4 là, mon gars. On va tomber sur des robots ou je sais pas quelle connerie là. C'est quoi ça? L'effondrement est là, nous sommes pas prêts. Nanana, deux valves contrôlent l'eau, on peut les tourner pour couper le flux pendant qu'on répare. Il faut juste qu'elles restent coupées ou on sera inondé. C'est la merde, non? Est-ce que c'est pas la merde? Oui, j'ai fait une connerie, je crois, non? Non, c'est bon. L'eau va monter, c'est ça? Ouais, c'est ça, ok. elle me saoule déjà en fait. Ça fait 5 minutes qu'on se connaît, elle me casse déjà les couilles. J'ai dit que Scad aimerait pas cette mission. D'accord, moi j'avais compris qu'elle aimait pas, il aimerait pas la mission parce qu'il aimerait pas le personnage en fait. Moi je suis tellement gentil moi que moi je vois pas l'eau. J'aurais peut-être dû péter ça avant, non? À mon avis, il s'ouvre pas celui-là. Est-ce que par contre je peux monter? Ah là, yes. Par contre, il faut se grouiller, c'est ça? Ouh! Ouh! Nice! Des loot! Non, c'est vachement linéaire. Ah oui, ça monte vite. Ah oui, ça monte vite en fait. Ah bah si. Ah. Ah. Ouais, bah c'est. Ok. Oh putain, évidemment, j'ai rien rechargé comme un connard. Attends. Ok, ferme ta gueule. Vas-y, ferme ta bouche. Voilà. Je suis un peu déçu, je m'attendais à l'eau qui... je m'attendais à l'eau qui monte tout le temps. Je suis extrêmement déçu, mec. La vie m'a volé un gouffre. Je suis vraiment déçu. Rip la blague. Oh mec, ça fait 2 déceptions en un stream. Franchement, ça fait un peu beaucoup quoi. On touche pas au dogo, ouais, j'ai l'impression. Pff. Bon, violer des chats, y a pas de problème, mais alors les chiens. Non. Je suis presque soulagé. Mais laissez Black Hogan kiffer ce qu'il veut kiffer, putain. C'est oula. Faut que j'aille chez Scad là? Bon bah écoute, let's go.
Ok. Ça met pas forcément à l'aise, mais je prends. Y'a pas les petites poches là ? Y'a pas les petites poches. J'ai largement assez les jetons pour nous deux. Et surtout, tu vas vider tout l'oxygène de ton sang si tu paniques. Et là, double noyade. Allez, avance plus vite, putain, mais qu'est-ce qu'il lâche lentement ? Mamie, elle serait déjà arrivée là. Ok. Ok, impeccable. En fait, y'a même pas de jauge, je sais même pas trop à quel point on peut résister sous la flotte. Ok, par contre, s'il faut refaire tout le chemin inverse, ça va être la merde, hein. Faible. Salut, ça a marché ? Un couteau, ça a marché ? Ah, enfin. Okay. Level design intelligent, poteau. Secoue un bidule, ok, ouais. Trop marrant, Far Cry. Trop drôle de se moquer des... Je crois qu'en fait, il y en a que j'ai ouvert deux fois. C'est un pouzzless ? J'ai l'impression que c'est comme un puzzle. Faut en ouvrir quelques-uns et fermer d'autres. High pressure. Ah oui. Là. C'est un peu trop facile. C'est un peu trop easy, mais bon. Tu vas me faire croire que je peux pas monter là ? Mais genre quoi. Oh le jeu vidéo. T'aimas ce jeu vidéo quoi. Alors, je sais que ça va te paraître étrange, mais quand il y a de l'eau, il y a des crocos. Je dis ça comme ça, ok hein. Je dis ça comme ça. Pardon. Attends. Attends. Il y a un truc que j'ai entendu là qui m'a pas plu tout de suite là. Oh boy. Attends, si c'est des crocos, ça va. Du moment que c'est pas des super tons là qu'on a croisé tout à l'heure là. Allez, à plus les gars. Ah ouais, d'accord, ouais. Super. Je commence les problèmes et ça se barre quoi. Bravo les gars. Super l'amitié. Hein. Attends. Le super ton, il est tout en haut. Oh la pauvre. Elle est pas ouf, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus Jane Birkin, quoi. Si ? Ça monte là ? J'allais pas me rendre compte. Ah non, c'est bon. Essaie avec l'échelle. Ok. Oh là là, ça va pas me plaire tout ça. Mais quand elle a dit des crocos, c'était pour déconner. Hein, Spider ? Animal. Animal. What? Nani? Qu'est-ce qu'il fout? C'est quoi cette connerie? C'est au-dessus? Ah oui. D'accord. Ok, bon bah c'est bon. Ouais. Tu les entends vite. Ouais, tu croises pas de croco avant la moitié du jeu. Ah non, ah d'accord, elle déconnait, ok d'accord. Je crois que tu disais ouais, tu vas en trouver quoi. Et genre, en fait dans ma tête je me suis dit ouais, tu vas en trouver, t'es déjà à la moitié du jeu. Je me suis dit putain, 40 balles poteau hein. 40 balles le standalone hein. Mange ta grosse mère. J'ai peur de me paumer en fait, oh là là. Oh putain, c'est cool, on dirait des petits ours. C'est ça, c'est des carajous. Ah, c'est les carrousous. Des carrousous là. Prends. Yes. Y'a encore des carrousous là. Et quand y'a des serpents, y'a des crocos. Ah non, merde. C'est avec l'eau. Quoi? Est-ce qu'il fait des blagues en plus là? Est-ce qu'il pense que c'est vraiment le moment pour faire des blagues?
Je crois qu'il doit y avoir des... Ouais, voilà, il y a des animaux en dessous, ouais. Bip. Ta gueule. Le nom est aussi mignon que la bestiole. Donc pas. C'est ça que t'es en train de me dire, Nick. On est d'accord? Ok, j'ai quand même des gros réflexes de butage de serpents. Hein. Ça me pose pas trop de problèmes, moi, les serpents. Sale enculé, va. Putain. Bonjour. Est-ce que c'est possible, genre, si je donne un petit bout de viande, tu me laisses passer? Genre, regarde. Bip, regarde. Va chercher la viande. Attends, je... Ok. Bon. Déjà, Spider, casse-toi, espèce de traître. Mais attends, mon perso, il est autisme. Attends. Voilà. Qu'est-ce que je peux lui envoyer dans... Voilà. Ça, c'est bien, ça. Ça, je pense avec ça... Ok, c'est bon. Ils sont pas si balèzes que ça, c'est bon. Je suis bloqué. C'est bon. C'est bon, ça va. Ils sont pas si horribles. Mais Spider, je retiens quand même que t'es un gros enculé, hein. J'espère que c'est net. T'as démoli la gueule d'un serpent géant dans RE, tu devrais y arriver. Oui, mais c'était un script. C'était tranquille, tu vois. Là, ils sont libres, les trucs. En plus, ça fait faire monter l'eau, putain. Des crocoribes. Oh, c'est cool ça comme nom, crocoribes. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Oh putain, le monde super vite. Bouge ton petit cul, allez, go. Eh, pardon, excuse-moi. C'est quoi cette objectification là? J'avoue que je pense que cette mission SCAD se serait chier dessus. Par contre, cours, il n'y en a pas qu'un seul croco. Mais si, il n'y en a qu'un seul. Là, tu m'as encore menti. C'est pas bien ce que tu fais, Spider, hein. À force de crier au loup, les gens ils vont te pendre à la Saint-Jean ou je sais pas quoi, hein. J'ai pas suivi la fin de l'histoire. T'as le crossfit dans le sang. Est-ce que c'est sérieux ça par contre? Attends, mais c'est un peu haut là, non? Putain, j'ai eu peur du coup. J'ai vu le truc qui dépassait, je crois que c'était un croco là. Fait chier tous. Je peux monter? À l'aide. Je sais pas s'il veut perdre des crocodiles. J'aime pas. À l'aide. Non. Monte. Putain, il est autiste. Ok. C'est bon. Il n'y a même pas eu de bruit, dis donc. C'est marrant comme quoi des fois la nature fait les choses, hein. Merde. Oh le con. Je croyais qu'il était immortel, mais le pot immortel. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait? Madame, mademoiselle. Tout va bien. Oula, elle me regarde avec... ouais, elle me regarde pas avec la joie dans le cœur. Madame, tout va bien. Tout va bien. Madame. Mais j'ai l'impression que j'ai niqué un script. Madame, mademoiselle.
Madame, je m'appelle Nicolas. Madame, elle est bien planquée. Où est-ce qu'elle est? Tu veux qu'on joue à Picaboo, c'est ça? On peut pas. Super, donne-moi ça. Des gens d'ici, s'il te plaît, sinon je te remets un autre pain. Non, ça va, c'est bon, j'encaisse. Parlez, parlez. Parlez. Speak, voilà, c'est bon. Vraiment génial, on l'a retrouvé. La vie va être un poil. Oui. Je vais pouvoir gratter mes boutons sans devoir m'inquiéter de claquer d'une infection un mois plus tard. Merci, vraiment. Ah, elle est dégueulasse en plus. Une vieille crève la dalle. Du coup, ça te dérange? Parle pas de vieille crève la dalle, mamie elle doit être dans le coin. Ton campement, par exemple, histoire de renforcer ton système immunitaire et te donner la pêche. Pense à ton capital santé. Déménage mon matos tout de suite, ok? Ouais, je vais y aller. Ouais, Merci encore pour tout. Bon, écoute, let's go, hein. Tant pis, hein, ça fait un hippie de plus dans le camp, limite, hein. C'est déjà un camp communiste, alors bon. J'ai gagné un succès qui s'appelle Balance le matos quand même. Hein. Tu sens que Ubisoft c'est pas les derniers. Hein. À foutre derrière l'oreille, comment. Rechargement? Quoi? Mamie? C'est toi qui recharge? Je sais pas, j'ai pas compris. Ok, c'est pas grave. Alors. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'il y a qu'on n'a pas fait? Donc on a chopé Amélie... Amélie. Pourquoi j'ai lu Amélie? C'est Nick qui a dit Amélie, c'est pour ça. Et je voulais faire du coup un autre avant-poste, parce que ça nous a même pas fait gagner d'éthanol, cette connerie. Hein. Donc on va faire un autre avant-poste. Allez mamie, go! Saloperie. Saloperie, c'est bon, je viens de te récupérer ta weed ou je sais pas quoi là. En plus je suis sûr que l'herbe qui a fait pousser c'est du bliss. T'imagines la merde? Mon gars, ça va finir à la Mother Base et je vais devoir buter tout le monde en Prosperity. Ce serait super stylé. Mamie, tu tiens, hein? Mamie? Mais elle est où? Mamie? Ah, elle est là-bas. Ah, elle m'a fait peur. Mec, ça m'a terrifié. Mec, ça m'a terrifié. Je croyais qu'on avait déjà paumé mamie. Ok. Alors on va libérer ça, normalement on devrait avoir un petit peu plus d'éthanol. On devrait pouvoir améliorer les... Et pourquoi ça me marque animal maintenant? C'est quoi le délire là? J'ai rien demandé moi. Ça se prononce bli. Du hibli, c'est ça? Ils font pousser du hibli, Eden. Pardon. Poussez-moi, excusez-vous. Oh là, je l'ai broyé lui. Salut. Russell, les petits mots en bas à droite, c'est un sous-titre bruitage pour les malentendants. Ah putain, c'est ça que j'ai mis tout à l'heure. Ok, je vois, ok. Je pensais que... Voilà, ok, je vois. Je crois que c'était un truc, genre une nouvelle ability que j'avais débloqué, que maintenant j'entends les trucs. Putain, mamie. J'avais pas vu, mamie. Oh putain, il va encore claquer. Oh, fait chier, tiens, on va aller chercher plus tard. C'est pas, on dépensera un peu de tisane pour la raise, c'est pas grave, tant pis. J'ai mué, je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai mué quand j'ai parlé. Bon, la raise. J'ai un scooter. Mec, elle a hurlé qu'elle avait mal. Oui, mais j'entends plus, moi, ces choses-là. Sinon, s'il fallait s'inquiéter à chaque fois, putain... Mamie est encore morte, c'est que la deuxième fois. Hein. Elle est habituée maintenant, elle s'habitue à la terre. Attends, groupe. Allez, raise mamie. C'est celui qui chantait « Ne la laisse pas tomber !» Petite blague. Quand tu mues, tu passes un Patrick Bruel. Qui a le droit? Mami, monte. Mami. Putain, mamie. Mamie, tu vas monter de gré ou de force. Allez, monte. Mamie. Wow. Tu m'as appelé. Et me voilà. Oh, la vieille sénile. Bon, je pense qu'elle a définitivement tourné la carte, la vieille. Hein. Tu m'as appelé. Me voilà. Elle est complètement tarée, ouais. Elle est complètement barge, ouais. Alors, ce qu'on va faire avec mamie... C'est qu'on va faire de la full infiltration.
et de la foule sentimentale. Regarde. On fait ça. Hop. Et t'es pas genre sous tes roues aussi, certainement. Hein. Ok, alors. Elle a tourné la carte, putain, c'est un dueliste de Yu-Gi-Oh! Regarde, regarde ce qu'on va faire, mec, regarde ce qu'on va faire. Je vais me faufiler. Vas-y, mamie! Faufile-toi, mamie! T'es en train de sprinter au milieu de nulle part, mamie! Va te faire bourriner! Monte, oh, non, va pas jusqu'au bout! Monte, monte là où je t'ai dit! Yes, 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 yes! Ça, c'est bon, ça! Ok, les alarmes sont là. Il y a deux alarmes cette fois-ci. Ah, ça fait beaucoup quand même. Bon, mamie, bouge pas. Aïe, aïe, aïe. Elle est véloce. Mais t'as vu comment elle court? Elle court comme un lemming. Ok. Allez, on y va tranquille. Mamie, flingue-moi ça. Elle a un silencieux ou pas? Je crois qu'elle en a un. Ah, c'est un silencieux super silencieux. Même moi, je l'ai même pas entendu. Lui, là, mamie. Non, pas lui, pas encore. Plus tard, mamie, plus tard. T'inquiète, chut. Lui, là-bas, mamie. Je pense que lui, on peut s'en charger, lui. Je lâche lui, mamie. Il va arrêter de nous emmerder. C'est un prédateur, quoi. Alors, peut-être que c'est la merde. Peut-être que c'est la merde. Je pense que c'est la merde, oui. Y'a rien ici. Impeccable. Heureusement qu'il est mort. Mamie, tue-le lui. Oh putain, mamie. Je crois que mamie s'est pris un gros mortier dans la gueule en fait. Oui, ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Je me disais aussi, c'était un peu lent. Et ouais, elle s'est pris un gros mortier incendiaire dans la tronche en fait. Finis-le, mamie. Voilà. Non. Non. C'est bon, le chien peut pas déclencher l'alarme. Voilà, impec. Donc j'ai pas pu les hacker, les alarmes. Mais au moins, il n'y en a pas eu une seule de déclenchée. Ouh. Beaucoup trop stylé. Ah, et au fait, mec, t'es peut-être pas au courant, mais il y a des pipous kamikazes et je m'en pas comme Spider pour ce coup. Oh non. Des pipous kamikazes. Oh, ça par contre, c'est dégueulasse. Hein. Et voilà, regarde, éthanol plus 50, aucune alarme, éthanol plus 100. Et bah voilà. Eh, tranquillou bilou. En plus, on va le piller une troisième fois. Enfin, une deuxième fois. J'ai dit, on va le piller. Voilà. Ça, c'est cruel. Bah oui. C'est les Russes qui faisaient ça aussi, je crois. Ils foutaient des chiens kamikazes. Bon, bah voilà. Avant-poste tranquillou, par contre je crois que j'ai rien débloqué comme vêtements. Il me semble, est-ce que j'aurais... Non. Je suis en train d'aller voir si j'ai débloqué le truc de Rex Power Colt, mais non. À jamais, pour rien. Alors normalement du coup, si je mets expédition niveau 2, yes. Ah, yes. Impeccable. Et du coup, je peux foutre aussi l'infirmerie, mais est-ce que c'est vraiment très important, l'infirmerie? Santé, 150%. Ça me fait chier de foutre 150 là-dedans. Hein. Oh mec, non, non, non. Ah. J'ai quelqu'un qui est d'accord avec moi, au moins. Fous les mecs qui t'accompagnent niveau 3. Le camp d'entraînement? Ah mais non, la santé et le dégât des mercenaires. Ah oui. Oh putain. Oh méga mamie. C'est pour ça qu'elle prend autant de risques. Les ravageurs ont repris la Elle fuite. Parle toute seule. La vraie mamie. La vraie mamie qui discute toute seule quand t'es occupée à faire autre chose. Donc. J'ai toujours à trouver l'endroit qui s'appelle Point d'eau. Oula. C'est un camp ça aussi, non? Non, ça peut pas être un camp, il y en a un juste à côté. Bon, ce qu'on va faire... C'est qu'on va aller libérer Sharky Pocha. Non, Allez, non, on va faire la mission principale. On a juste à aller à un endroit qu'on a déjà visité, genre ça. Espacement rapide indisponible près d'un avant-poste. Ha ha ha.
Vous ne pouvez pas vous téléporter pendant un combat. Vous ne pouvez pas vous reposer aussi, il y a des ennemis. Todd Howard, quoi. Ok. Oh, c'est quoi ça? J'ai jamais dit échappe. Voilà. Oh, okay. C'est quoi? Il y a un petit pipou. Chut, il y a un petit pipou. Mamie! J'adore voir son laser, regarde. Ça va faire pip. Ça devient vraiment un prédateur en fait, mamie. Mamie? Oh putain, mamie! C'est la merde. Mamie, finis-le. Mamie, il va me taper. C'est bon. Oh putain. Oh putain, le flip, mon gars. Oh la vache. Heureusement que mamie, c'est un pilier en marbre. Quoi? Ça me fend le cœur, hein. Vraiment, ça me fend le cœur, mais je crois que j'ai vraiment pas le choix. Waouh, trop cool, tribal. Ok, ça je prends. Est-ce que je peux... Yes. Eh ben écoute, impeccable. Le Jaguar qui arrive juste devant pour emmerder. Donc là, du coup, je vais pouvoir me TP. Et je... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Jusque là, yes. Ah, déplacement rapide. Là, tu sens déjà que le jeu, il va passer à la vitesse... La vitesse, tu vois ce que je veux dire? Ethan se bat pour... Nanana. On s'en fout de pourquoi Ethan se bat. Ah, faut que j'aille mon... Ah. J'espère que je tomberai jamais sur ces jumelles. C'est quoi? C'est du racisme, mamie? Fais gaffe, hein. Fais gaffe, hein. Est-ce que tu penses... Attends, il doit y avoir un grappin juste là. On va le choper. Chat! Grappin! Pourquoi je persiste à faire de la wingsuit? Pourquoi? En plus, je me suis pété la gueule sur un buisson. Pourquoi à chaque fois ça m'arrive ça? J'ai une rime dans la main. Bon, attends, wingsuit jusque là-bas. Allez. L'amour du danger. Le goût du... A chaque fois, hein. Putain, mais... Putain, le gars qui rebondit, quoi. Allez, go. Allez. Mais putain, il est con, ce truc. Attends. Putain. Peter Parker, voltistwell. Je me suis pété la gueule sur une poubelle. Attends, ici, normalement... Là, ça devrait aller. Wingsuit. Wouhou. Ok. Bon, ça va pas... Ouais. Je crois qu'il y a un truc qui a pété à côté. Parachute. Et hop. Heureusement que t'as la ninja rope de Worms. Tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un Worms. Va falloir qu'on en refasse un dans pas longtemps. Un lundi. Ah. Va voir un largage. Dans la flotte. Ah non, juste pour casser les couilles en fait. Si, ça va être dans la flush. Dans la flotte, je veux dire, dans la flush. Quoi? Ah. Aïe, casse-toi! Voilà. Non, il est super loin, bah les couilles. Allez, 700 mètres. T'es où, mamie? Mamie? Allez, là, c'est bon. Mamie a nagé parmi les piranhas, parce qu'elle a pas de wingsuit, elle. En suivant Riri, Fifi et Barlou. Riri, Fifi et Barlou, c'est bon ça. T'es un poète en fait, MTE, à vous. T'es plus ou moins Baudelaire, hein. Sur ces belles paroles, je vais me piéter avec le stream en fond, la zibette sur le troude. Ah d'accord, là carrément la zibette sur le troude. Retenez bien les expressions de Spider, parce qu'il y aura un test aussi là-dessus. Hein. Il y aura un petit interro fin du stream, fin de semaine, sur les expressions de Spider, comme par exemple zibette sur le troude, ou qui a oublié... Qu'est-ce qu'il a dit comme connerie encore? Il fait que ça, alors c'est difficile de les trier. C'est quoi ça là-bas? C'est des connards? C'est des connards ça, non?
Oh, l'enfer. Je crois qu'il va pouvoir le one-shot. Tu trembles, mamie. Aïe 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 aïe. La pougnette, par exemple. J'ai menti. Mamie, 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 mamie. Mamie. Mamie, c'est la merde. Elle m'a abandonné. Mamie m'a abandonné, mec. Je vais t'aider à crever, elle a dit. Elle a fait exprès, en fait. C'est une machination. Elle a voulu m'éliminer stricto sensu. Les gars sont tenus d'airsoft. Oui, parce qu'ils sont tous pour UV Ball. Ils bossent tous avec UV Ball. Est-ce qu'elle a buté tout le monde? Je vais le descendre. Ah. Il a des pop. Ok, tant pis. Je vais faire un truc cool, mais tant pis. C'est des loans. C'est vrai que... Putain, il y a un bouclier. Mais en fait, c'est marrant qu'il n'y ait pas de compétences liées au bouclier. Parce que depuis le... Quoi? C'est vieille chouette. Parce que depuis le début, on peut prendre des boucliers, on peut pas en avoir sur nous. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de compétences associées au bouclier. Et ça, c'est con. C'est dommage. Et je sais pas si l'arbre qu'on a là, il est définitif. Mais en vrai, ça me ferait chier. Parce que j'ai quasiment tout débloqué déjà, quoi. Et dans Far Cry 5 original, tu débloques déjà pas tout, je crois. Et surtout pas avant loin la fin, quoi. Voilà, toi, tu vas fermer ta grosse gueule. Si t'es un loup avec des pattes noires, ça n'a aucun sens. Si t'es un renard, arrière. Bon, je pense qu'on va faire cette mission et puis ensuite je vais couper, d'accord. Oh, mamie, 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 mamie. Ah, c'est bon, c'est niveau 2. Calme-toi, mamie. Enfin, on te calme pas, justement. Ok, ça se fait tranquille. Elle... Mamie? Je crois que mamie est pété. Ah, waouh. Le bouclier, tu peux l'envoyer dans la gueule comme Captain America. Oui, c'est vrai en plus. J'avais oublié ça. Je suis galéré là. Mamie, elle sert de plus en plus à rien. Je pense qu'elle devient folle. Ah, c'était lui qui a déflanché. D'accord, c'était lui qui m'a smoke la gueule gratuit, quoi. Ok. C'est large. Elle veut du sang. Ma mamie est goûtée au sang. Hein. C'est comme les poules. Hein. Ok. En toute logique, il doit y avoir peut-être un truc d'escalade dans le coin. Un vertical limite ou quoi ou que sais-je. Si on a pas, c'est la merde. Parce que ça veut dire qu'il faut faire tout le tour. Ah si, c'est bon. Pour l'instant, j'aime vraiment bien. Pour l'instant, je m'amuse vraiment bien là sur New Dawn. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il aurait été mieux s'il n'y avait pas eu Far Cry 5. Mec, le jeu il fait ce qu'il veut, quoi. Le jeu il fait vraiment ce qu'il veut. Ok, maintenant, le prochain but, c'est de gagner 175 crédits pour acheter les mains de Rexport Colt, on est d'accord. De toute façon, je vais acheter du crédit avec du vrai argent quand vous regarderez pas. Je m'en fous, moi. Je m'en bats les couilles, je suis un fou, moi, j'ai rien à perdre. Hein. Regarde-le avec ses vieilles mains collées dessus, quoi. C'est pitoyable. Mais ce qu'il faudrait en fait, c'est que si tu fous les yeux de Rex Power Colt, qui est quand tu fais ça là, qui est sa vision aussi. Oh, ça, c'est qui ça? Ah, c'est un pote ça, non? Oui, c'est ça, un pote. Attendez les élus. J'ai que ça à foutre, moi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, je vais changer contre ce que j'utilise jamais. Tiens, la M60, j'utilise de moins en moins, je vais prendre ça plutôt. Ayant le lance-disque et ayant mamie, c'est qui? Corneille? Alors on vit, chaque... Quoi? Beaucoup ont tenté d'allumer la flamme de l'Éden. Et tous ont échoué. Les ravageurs sont nombreux autour de la flamme. Et ils tuent sans pitié. Ok. La meilleure option contre leur nombre et leur puissance de feu, c'est de les tuer discrètement, par la ruse. Une mission stealth. Nous avons apporté une arme digne. Easy. De la mission sacrée qui t'attend. Je t'invite à t'en équiper. L'arc sacré, mais... Maintenant, suis-moi. Ils ont... ouais, d'accord. Donc c'est le vieux...
Le vieil adage de la tribu post-apocalyptique qui est revenu aux sources, quoi. Ok. Bah écoute, ils ont fait ça dans Fallout, ils ont fait ça dans Mad Max, ils ont fait ça dans quasiment tout ce qu'il y avait un petit peu, un tant soit peu de post-apo, en fait. Même dans Waterworld. C'est quoi? Ok, un vieux sac à patates. Ouh! Mamie! J'ai peut-être eu beaucoup de bol. Y'a mamie qui crie. Mamie! Attends. Ok, des couteaux de lancer, ils savent qu'on est en dèche. Des petits loupards. Des petits loupards! C'est quoi ce nom de yaourt à boire? Ils sont où les petits loupards? Bute-moi ça, mamie. Mamie, t'as pété un câble. Merde. Merde, merde. Ouf. Des petits garnements. Je vais niquer la race à ces petits garnements de merde. Bravo, t'es vraiment une merde. Est-ce que je peux mon... Bon, ça va, c'est assez tranquille niveau stealth. C'est pas genre, tu te fais choper, t'as perdu du... Il faut pas leur faire deadshot, Il faut tirer dans le bide. Ouais. Ok. J'ai... C'est bon, ils sont cons. Je crois qu'ils osent pas me tirer dessus, en fait. Ils voient un mec habillé, genre, à la moitié de Rex Power Colt avec un arc et un black, avec la tête de Hulk Hogan. Donc je pense que, ouais, ils évitent. C'est par où? Quoi? Allô? Les gars! C'est bon, ils sont cons. Ah, les abrutis. Heureusement que je tire bien. C'est la merde, ok. Mais pourquoi, en fait, il faut y aller... merde, attends, c'est pas ça que je voulais faire. B, voilà, c'est bon. Pourquoi il faut y aller stealth, en fait, je comprends pas. On pourrait juste les éclater à coup d'M60, non? Genre, on a aucune chance, mais moi, si. En plus, je suis tout seul contre eux, limite, donc... Voilà. Tu veux pas y aller au couteau ou à coup de poing? Le problème, c'est qu'ils sont niveau 2, donc si jamais ils sont mal lunés, comme on dit. Merde, j'ai visé la tête. Dans le bras, apparemment, dans le bras, ça tue. Dans la main, même, ça tue plus que dans la tête. Écoute, impeccable. Attention, mamie. C'est la merde. Ah, putain. Mamie, elle aide. Peut-être save-toi avant, par contre, mamie. C'est tendu, Duc. Je vais cramer. Mamie. C'est bon? Et bah voilà. Impeccable. Pourquoi tirer à l'arc? T'as fait déverrouiller amateur de fronde. Ils ont du mal chez Ubisoft. Bah attends, mec, faut faire un achievement par arme. Ça fait beaucoup de boulot pour Ubisoft. Hein. Déjà qu'ils ont pas voulu recréer des assets. Qui c'est qui est sympa et qui sent bon, il dit? C'est ça. Dire ce qui va se passer. Attends. Quoi? Nous t'avons amené aussi loin que possible. Tu dois descendre. Il est cool en tout cas ce Far Cry primal. Je trouve aussi, ouais. Ils ont inondé la ce Far Cry post-primal même. Grâce qui alimente la flamme sacrée. Vide l'eau et détruit les tuyaux pour libérer la grâce. Putain, encore de la flotte. Oh non, on va y avoir des crocodiles, je vais encore me faire niquer, les Spider et faire. Il y a pas de crocodile avant la moitié du jeu. Va, pêcheur. Tu portes tous nos espoirs. Pêcheur? Je t'emmerde. Je suis une sorcière. Personne peut me tuer. Faut vraiment que tu te calmes, mamie. Mamie. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai rétabli l'ordre divin. Alors. Putain, c'est calme. Putain, la vache, y'a pas un bruit, quoi. Ça tombe bien, c'est l'heure de ma sieste. A plus. Mamie? Mamie, j'ai pas envie de faire mon parcours initiatique tout seul. Mamie. C'est là-bas qu'il faut vider? Ok, go. Si un crocodile, je me suicide. C'est simple. Faut allumer ça? Non. Faut allumer ça. Non plus. Mais merde, qu'est-ce qu'on fout? A plus, Game Talik. Bonne humaine. Merci d'être passé.
Et merci à tout le monde qui nous regarde de Lyon, bye. Ouais, c'est la de mer, non? Par où on passe? Attends. Je vais mettre 8 ans à chercher, putain. Faut arrêter de faire des trucs où il faut chercher des machins. Ça sert à rien. C'est comme les jeux... justement, les jeux d'objets cachés, là. Tu sais, il y a beaucoup de jeux flash qui sont des jeux à objets cachés. Je supporte pas ça. Pour moi, c'est Shaitan. Videlo. Bah, ok. Je crois que le jeu a abandonné, il m'a dit directement, bah vas-y, c'est là-bas. Non, même pas les point and click, les jeux vraiment à objets cachés. Les point and click, ça va, j'aime bien. Mais les jeux à objets cachés, je supporte pas. C'est une vraie catégorie de jeu. Hein. La Hidden Shaitan. Bon bah c'est bon. Il y a littéralement un drain. Mec, c'est littéralement un drain au fond de la cave, quoi. Aucun sens. Détruisez les tuyaux de grâce. Ça. Ok, les autres ils vont être planqués, c'est ça. Les survivants post-apo, ils ont un autre à foutre que taguer chaque mur en rose bonbon. Bah, en même temps, tu te fais chier, hein. Post-apo, y'a plus rien, y'a plus Amazon, y'a plus YouTube. Qu'est-ce que tu fous ? Aïe. Ah oui, mais du coup, je me fais niquer par la grâce, moi. Hop, nique ta grosse race. Nique ta grâce. Y'a pas un autre tuyau là en plus? Ok, ils sont quand même notés. Ils sont quand même notés sur la map. Par contre, on se casse. Ah oui, c'est la merde. Non, c'est bon. Mais attends, mais non, mais je vais. Bah oui, mais non. Bah non, mais c'est bidon. Attends. Mec, je me suis fait piéger par le game design là. Ça me plaît qu'à moitié là. Ouais, bonne nuit, Skia. De toute façon, je pense qu'on va faire cette mission et puis on coupera après, d'accord? Alors, attends, il faut procéder à ça de manière intelligente. Donc déjà, pas celui-là en premier. Je pense qu'il va falloir commencer par lui. Ensuite, revenir, niquer le troisième, revenir et refaire le premier qui est dans la salle principale. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est même pas que je pense que je suis persuadé. Hop, comme ça. On s'approche même pas. Bip, hop là, voilà. Appelle-moi Garrett du jeu Thief. Thief d'ailleurs que j'ai pas continué et que je pense pas continuer parce qu'il est un peu galère, un peu balèze. Je sais pas si j'y retournerai un jour. Ça dépend de la demande. S'il y a genre 7000 personnes qui me disent si vas-y fais Thief, oui. Là peut-être. Ok. Donc ça c'est fait. Et ensuite le dernier dans la salle principale. Fif. Et ça, fif. Fif, fif. Fais rire. Vous me faites rire, tous. Tous autant que vous êtes. C'est quoi, je vais le niquer de super haut, regarde. Je peux pas aller plus haut. Si. Ouh. Regarde, d'ici. Pip, et voilà. Et maintenant, faut juste que j'attende l'effondrement du monde. Voilà. Et que j'enflamme la gra... Comment je fais? Avec un molotov? Ça, je peux. Cramer des trucs, je peux. Ah, yes. Oula. Attendez, les gars. Faites attention. Thief de pute. Bravo. Bravo. En plus, j'ai compris, quoi. Yes. Impeccable. Échappez-vous du brasier. C'est bon. Ah, mamie elle est revenue. Mamie. Putain, mamie, elle est dans la caverne. C'est peut-être la merde. C'est pas grave. Mamie, elle sera à point. Saura comment t'appeler. Même Ethan n'a jamais réussi à faire ce que tu as fait. De toute évidence, c'est toi qui vas accomplir la prophétie de Joseph. Tu dois retourner voir Ethan, il te dira quoi faire. Et sache que tu nous as donné un nouvel espoir. Où le nouvel Eden se réjouira. Purification pour recommencer. Eh bah écoute. Tranquillou. Ça s'est fait sans le moindre accroche, je suis pas mort une seule fois. One shot. J'ai envie de dire one try. One love, one blood. Ah, c'est une petite référence. Ceux qui ont cette référence, ils ont tout mon respect également. Donc j'ai l'arc de l'élu. Je sais pas ce qui change comparé à l'arc... Oh la vache. Calmer les hippies. Ça les rend plus énergiques et plus hargneux au combat. Je vais être en colère.
Ok. Donc on va se calmer quand même. C'est un démon cette vieille, je suis sûr. Elle vient de Naframonde aussi, elle est de la famille de Rupert. Oh la vache, c'est joli par contre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Ça me plaît plutôt pas mal. Le côté niveau, il dérange pas vraiment. Pour l'instant, en tout cas, il démange pas vraiment. Il démange. C'est dans ma tête, ça c'est bizarre. Ça dérange pas vraiment, vraiment. C'est, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je pensais qu'il allait vraiment avoir un système de niveau, mais c'est juste ennemi dur, facile et normal. Et c'est pas mal du tout. C'est vraiment plutôt bien pensé en plus. Donc on en fera. J'essaierai d'en refaire assez vite. J'essaierai aussi de faire attention à la rupture d'anévrisme que je suis en train de faire. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus. Et je vais vous laisser avec un petit truc. Qu'est-ce que tu regardes ? Linkin Park in the end midi. Rien que le nom, il va me plaire quoi. Allez, bisous les gars, ciao.